Donc, je suis Christelle Pietro, directrice des bibliothèques de Rouen. Nous avons le plaisir d'accueillir Fatia Boudjala. Alors, son intervention était prévue la semaine dernière et un imprévu l'a retenue. Alors, c'était pour la bonne cause parce que son imprévu, c'est que son ouvrage, Le Grand Détournement, était sur la liste des finalistes pour le prix du livre politique. Malheureusement, elle ne l'a pas eu. Ce qui prouve le racisme d'État. Ce qui prouve le racisme d'État. Et votre micro. J'aurais pas osé la faire, celle-là, mais oui, ça doit être ça. Non, mais je disais que si je l'avais eu, on m'aurait dit que c'était la preuve que j'étais l'arabe de service. Mais si là, je l'ai pas eu, c'est la preuve de racisme d'État. Dans les deux cas, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, son ouvrage est en vente auprès de notre libraire partenaire. Comme ça, voilà, la jeune femme qui est là. Donc vous pourrez la créer. Alors, Fatia Boudjala n'est pas seulement autrice d'ouvrages politiques, elle est d'abord peut-être aussi professeure d'histoire, géographie, enseignement civique à Toulouse, en collège, hein, c'est bien ça. Co-fondatrice avec Céline Pina du mouvement Vivre la République, qui a un peu plus d'un an, qui a été fondée en février de l'année dernière, en 2002, oui, c'est voilà, ça, ouais, à peu près, qui est un mouvement républicain, laïque, féministe, je pense que voilà, on l'a cadré. Nous l'accueillons dans le cadre de notre cycle sur la laïcité que nous avons commencé l'année dernière, sur une thématique spécifique qui est la laïcité à l'école. Comment est-ce qu'on transmet la laïcité aux enfants aujourd'hui avec ce terreau sur lequel on est en train d'évoluer, qui a changé, qui est celui de la radicalisation religieuse. Donc je vous laisse la parole et puis on échangera entre nous avec la salle après votre intervention. En tout cas, merci pour votre accueil et votre invitation et merci d'être venu, de vous être déplacé. Toutes mes excuses pour samedi dernier, tout ça pour ça en plus. Ça a failli. Voilà. Oui, je suis d'abord enseignante et moi je tiens à dire ça parce que j'ai un vrai boulot. Et je pense que le travail émancipe. Voilà. Et qu'il faut travailler pour être indépendant et pour avoir une certaine liberté. Et j'ai face à moi des activistes qui gagnent leur vie par leur activisme. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser qu'ils n'ont pas intérêt à ce que la cause qu'ils combattent disparaissent, parce qu'ils ne gagneraient plus leur vie comme ça. Et dans une émission sur France Inter, j'ai été confrontée à une de ces nouvelles féministes qui s'appelle Rebecca Amselem, qui a créé le groupe des Glorieuses. Je ne connaissais pas. J'ai lu son livre en 3 heures. Il est écrit en taille 16. Donc, si vous êtes dyslexique ou vous avez des problèmes de vue, c'est parfait. Il y a des dessins. Et je suis allée sur son site et sa dernière lettre d'information était subventionnée par Guerlain. Alors je me dis, oui, c'est une nouvelle féministe tellement subversive qu'elles sont financées par l'industrie du luxe. Et on se souvient des propos de Guerlain à la télé sur les nègres et le travail. Voilà. Donc moi, voilà, je travaille, je fais ça en plus de mon travail, je travaille à temps plein, ça me permet d'être indépendante et de vraiment défendre ce que je pense, voilà, sans avoir été récupérée, sans avoir à espérer avoir des fonds. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la radicalisation, je ne suis pas une spécialiste de la déradicalisation, je refuse d'être une spécialiste de l'islam. Je tiens à maintenir parfaitement étanche la limite entre les théologiens et le politique. Je ne fais pas de théologie, j'interdis aux théologiens de se mêler de politique. Dans le dernier chapitre de mon livre, je recense les bêtises des hommes politiques, que ce soit Chevènement qui parle de djihad laïque. Voilà, le djihad, les citoyens doivent faire leur djihad citoyen civique. Ou Mélenchon, qui au moment du Burkini explique que le prophète ne s'est pas préoccupé de donner des règles sur les vêtements de bain. Quand bien même l'aurait-il fait? En quoi cela nous concernerait-il? Donc je maintiens cette frontière étanche. Donc non, je ne discute jamais du contenu des religions. Les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Et il faut le dire. Il faut distinguer la laïcité comme principe
c'est-à-dire une loi qui organise le fonctionnement de l'État, et la laïcité comme valeur, c'est-à-dire un idéal moral que l'on peut choisir d'adopter ou non. Les fonctionnaires sont tenus à la laïcité comme principe. L'État est neutre, les fonctionnaires sont neutres. La population n'est pas obligée d'être neutre. Donc la laïcité n'interdit pas la religion, n'interdit pas la ferveur religieuse, et il n'est même pas interdit d'être radical ou d'avoir une pratique radicale. Il est juste interdit en France d'enfreindre le code pénal. Et tant que vous n'enfreignez pas le code pénal, vous pouvez adorer une carotte, Raël, ce que vous voulez, vous avez tout à fait le droit. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans la déradicalisation, qui en ont fait un juteux business. Il y en a beaucoup qui envoient des informations contradictoires en disant que Olivier Roy explique que c'est en fait une islamisation de la radicalité. Donc en fait, c'est des adolescents en pleine crise d'adolescence. Ils ont pu trouver le bouddhisme, ils sont tombés sur l'islam. On utilise les facteurs socio-économiques. Or, les derniers chiffres prouvent que ceux qui sont partis en Syrie appartiennent souvent à des classes moyennes. Et la dernière étude dont vous nous parlerez sans doute, d'Olivier Galland, montre qu'il y a bien un effet lié à la religion. Il va falloir l'assumer. Et il définit de manière très intéressante la radicalisation, ou la radicalité. Il explique que c'est l'ensemble des dispositions, des attitudes en décalage, voire en rupture, vis-à-vis de ce qui est communément valorisé en société, ou dans notre société. Et c'est déjà l'axe premier et le plus important de toute réflexion. Qu'est-ce qui est valorisé dans une communauté, dans notre société? Qu'est-ce qui est valorisé dans le groupe des pères, PAIRS? Qu'est-ce qui est valorisé dans le quartier? Qu'est-ce qui est valorisé dans la communauté religieuse? Qu'est-ce qui est valorisé à l'école? C'est ça qui fait sens. Est-ce qu'il y a une convergence, une divergence avec ce qui est valorisé dans notre société et qui en décide? Là, c'est le rôle des leaders. Donc, je ne vais pas non plus faire de conférence sur le terrorisme, mais je ne vais pas être dans le politiquement correct. Je ne vais pas vous parler des bouddhistes en Birmanie. Je ne vais pas vous parler de la radicalisation des gens d'extrême droite aux États-Unis. Je vais vous parler de ce qui se passe en France. Et la radicalisation, elle a à voir avec l'islam. Ce qui se passe en France, et c'est ce qu'on observe aussi à l'école. Sachant que c'est comme l'effet Doppler, en fait. Vous savez, c'est quand un engin motorisé passe, le son est différent quand il arrive de quand il part. Il y a un cheval de Troie, il y a quelque chose qui essaye d'être mis en place, qui a l'air anodin, ou qui a l'air acceptable. Mais si on l'accepte par l'effet cliquet, ce que j'appelle l'effet cliquet, ça sert de base à de nouvelles revendications. Et c'est ces nouvelles revendications qui se banalisent, qui se normalisent et qui deviennent la norme, qui nous posent problème. Alors moi, j'aime bien citer ces propos de Baudelaire, même s'il s'adresse à Dieu. Mais je trouve que c'est exactement ce qu'on doit faire. Quand il écrit « Seigneur, ayez pitié des fous et des folles, ô Créateur, peut-il exister des monstres aux yeux de celui-là seul qui sait pourquoi ils sont, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire ?» Et c'est ça qu'on doit faire. Se réfléchir comment ils auraient pu ne pas se faire. Et c'est le rôle de l'école, bien sûr, mais on a le dos large, nous les enseignants, mais quand même, là, c'est un peu trop. C'est d'abord le rôle des parents, et j'en parlerai. Donc, il faut déjà reconnaître qu'il y a une hyper-religiosité nouvelle. L'Institut Montaigne, qui est plutôt classé à droite, l'a relevé dans une étude, en relevant 28% de rigoristes qui reconnaissaient la supériorité de la charia sur la loi d'un État. La dernière étude d'Olivier Galland, elle a été sur un échantillon inédit de 7000 lycéens, et dans le cadre d'une recherche du CNRS. Donc c'est pas fait pour une revue d'extrême droite ou pour être dans le racolage. Hein. Et 32% des jeunes se déclarant musulmans avaient une vision absolutiste de leur religion, c'est-à-dire que c'est la religion qui détermine tout, y compris la science. Donc si leur religion dit que la Terre est plate, la Terre est plate. Qui décide de tout, contre 6% des chrétiens. Donc oui, il y a un effet, il y a une nouvelle religiosité. Je ne dis pas religion parce qu'elle existe depuis très longtemps, c'est ma culture religieuse, mais ce que j'observe moi comme enseignante, c'est pas ce que j'observais moi comme enfant qui a grandi dans une famille musulmane, dans un quartier, un ghetto ethnique qu'on appelait la cour des miracles, où l'islam était la religion la plus pratiquée. Donc je ne parle pas de religion, je parle de religiosité, de façon d'une nouvelle... On a inventé des mots, des éléments de langage. Au lieu de dire radicaux, on dit orthodoxe, ultra-orthodoxe. Et ben on est dans l'ultra-orthodoxie ou l'orthopraxie. Et encore une fois, c'est pas propre à l'islam. Le ministre de la Santé en Israël qui refuse de serrer la main de Marisol Touraine parce que c'est une femme. Si un blanc avait refusé de serrer la main à un noir, on se serait révolté, mais puisque c'est une femme, on peut l'accepter, c'est la culture. C'est pas gênant. Voilà ce qu'on est prêt quand même à accepter.
Alors, il y a une plus grande religiosité, elle est plus orthodoxe, plus ostentatoire, plus rigoriste. Et en fait, bizarrement, elle est due à deux succès de la République. Elle est due au fait que les gens de ma génération, les enfants d'immigrés, mes parents sont immigrés, ont obtenu par leur travail, sont devenus propriétaires, ont obtenu un plus grand pouvoir d'achat. Et donc, ils ont offert un super cadeau à leurs parents, et ils se sont offert un super cadeau, pèlerinage à la Mecque. Ils auraient pu offrir une thalassothérapie, non. Ils ont offert un pèlerinage à la Mecque. Et donc, ces femmes arabes que j'avais vues toutes enlever leur foulard, en revenant de la Mecque, sont toutes revenues avec un foulard que je ne leur reconnaissais pas. C'est-à-dire que ce n'était plus le fichu, c'était vraiment le hijab. C'est des vieilles femmes, et c'est lié au pèlerinage à la Mecque. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette hyper-religiosité, elle est due aussi au succès de l'école de la République. Ma mère a été mariée, elle a été scolarisée que jusqu'en CM2. Elle était musulmane, c'était l'islam culturel. Elle n'avait jamais ouvert un Coran de sa vie. C'est ce qu'on appelle le lumpen prolétariat, ceux qui sont venus dans les usines. Chez moi, c'est Peugeot, dans l'est de la France. Je suis franc-comtoise. Et bien, leurs enfants, qui eux sont allés à l'école, ont eu un plus grand appétit, une plus grande exigence intellectuelle. Donc, eux ne se sont pas contentés de cette version culturelle. Ils ont voulu aller lire, là où leurs parents ne lisaient pas. Et ils ont complété avec les hadiths, la sunna. Donc, cette plus grande exigence intellectuelle qui est légitime, mais qui explique cette ultra-orthodoxie, est aussi liée à un des succès de la République. Sauf qu'on ne dit pas que c'est un succès. On accable la République. On n'arrête pas de lui mettre tous les torts sur le dos. Alors qu'en fait, voilà deux effets qu'on n'aurait peut-être pas voulu observer, mais qui sont dus justement à cette école républicaine. L'autre raison de cette espèce de séparatisme, c'est les activistes de ce séparatisme, des militants qui essaient vraiment de nous dresser les uns contre les autres et qui ont réussi à dresser les enfants contre leurs parents parce que la religiosité de leurs parents est dévalorisée. C'est celle des colonisés, c'est celle de ceux qui ont accepté de faire les métiers que les Blancs ne voulaient pas faire, des métiers difficiles. Et il y a donc cette fracture entre les parents, les enfants et surtout les petits-enfants. Parce que ceux de ma génération qui ont eu cette curiosité-là, ils ont en mémoire de n'avoir pas été aussi orthodoxes. Celui-là, je ne les trouve pas dangereux. Par contre, leurs enfants, qu'ils inscrivent à l'école coranique, tout petit, ma nièce, qui à 7 ans me fait la liste de tout ce qui ira au paradis, tout ce qui ira en enfer, les moustiques iront en enfer, voilà. Et qui me dit que ceux qui sont tatoués iront en enfer. Je lui ai juste montré mes avant-bras, je lui ai dit, je vais aller en enfer. Et elle était catastrophée, elle était très triste pour moi, voilà. Donc les gens de ma génération, je leur en veux un peu parce qu'ils sont en train de fabriquer une génération de gamins qui n'auront rien connu d'autre que cette rue ultra-orthodoxie, qui sont incapables de prendre de la distance, qui sont experts, mais qui n'en sont finalement que plus dangereux parce qu'ils ne connaissent vraiment rien d'autre. Voilà. On en voit le résultat dans l'étude dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est l'étude qui a été réalisée par deux chercheurs du CNRS, Anne Muxel et Olivier Galland, qui vient d'être édité, qui s'appelle « La tentation radicale ». Donc ça a été édité au PUF, c'est sorti le 3 avril, je suis passée à la FNAC, c'est épuisé, hein. Donc il faut dire qu'elle a rencontré un grand succès. Donc ils ont enquêté auprès de 7000 lycéens de 14 à 16 ans, dans des régions, alors ils ont fait un échantillon bien sélectionné, hein, dans des régions où des manifestations de radicalité existaient, donc émeutes, bagarres avec la police, blocage de lycées, etc., donc les quartiers nord de Marseille, la région lilloise, la ville de Créteil en banlieue parisienne, etc. Et donc, dans les questions qu'ils ont posées, ils ont étudié notamment le lien entre religiosité, confession religieuse et éducation et savoir et science. Et donc, dans les résultats, donc 11% des adolescents interrogés, tout confondu, pensent qu'il y a une seule vraie religion et que celle-ci a raison contre la science. Donc ça, c'est pour tous les adolescents. Ce chiffre passe à 32% chez les musulmans. Donc 32% des musulmans interrogés pensent qu'il y a une seule religion. Et 81% d'entre eux pensent que c'est plutôt la religion qui a raison sur la question de la création du monde. Voilà. Donc voilà où on en est arrivé. C'est exactement ce que vous dites, hein, sur ce lien entre poids de la religion et croyance, et cette croyance qui va s'opposer au savoir et à la science. Il y avait un intellectuel arabe qui disait que si les musulmans avaient le choix entre un État laïque et un État
théocratique. Ils voteraient pour l'État théocratique, mais ils iraient vivre dans l'État laïque. Donc par rapport à ces enfants, c'est comme les partis islamiques dans les pays arabes. Dès que vous mettez le mot islam, ils se mettent en ordre de bataille et ils obéissent. C'est aussi pour ça qu'ils ont répondu comme ça. Donc à la fois, ces chiffres sont très préoccupants, très révélateurs, et en même temps, il faut les relativiser. Ils ont eu l'impression d'être de bons musulmans en donnant ces réponses-là. Ce qui ne les empêchera pas d'aller foutre le bordel deux jours après, ou de draguer une des gamines, ou de ne pas pratiquer le ramadan, ou de voilà. Mais là, ils ont aussi répondu aussi pour ça. Mais il y a un vrai effet. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est que ce qui est le plus relayé par les médias, c'est le discours des gens qui essayent vraiment de dresser les gens les uns contre les autres. Ces gens, je renvoie dans mon livre dos à dos les identitaires et les indigénistes. Ces gens ont horreur la République. D'ailleurs, la revue d'extrême droite Réfléchir et Agir en novembre, sa une, c'était une tête de Marianne découpée. Et le titre, c'était « Il faut buter la République ». Donc avec Daesh, le contexte, vous voyez, c'est... Et dans Causeur, un ancien contributeur du boulevard Voltaire écrivait que puisqu'on avait perdu certains quartiers de la République, autant les laisser pratiquer la charia. Perdu pour perdu, tant qu'on ne se mélange pas. Et en fait, c'est exactement ce que veulent les indigénistes. Il faut lire leur littérature. Ouria Boutedja ou Sadri Kiari, qui est son maître à penser, qui est un grand bourgeois tunisien, mais qui parle des pauvres dans les quartiers, alors qu'il se déplace dans des conditions. Voilà. Il est d'une famille très riche. Écrivent à plusieurs reprises, il faut combattre notre intégration. Ils utilisent donc le langage guerrier, et ils utilisent cette phrase-là parce que, en fait, notre intégration, elle est naturelle. Il n'y a rien de plus naturel. C'est ce qu'on appelle la créolisation. Sauf que le mot républicain pour créolisation, c'est intégration. Et comme c'est naturel, et parce que les choses se passent bien, et parce que la France était championne du monde des mariages mixtes, eh ben, il faut que ça aille mal. Et c'est pour ça que, par exemple, le CCIF, qui imite une ONG et qui répertorie les actes islamophobes, essaye de faire croire qu'ils sont en progression, jusqu'à répertorier un vol de câbles de cuivre dans le chantier d'une mosquée. Un jet de lardon sur une mosquée. La seule communauté visée par la violence, les seuls gens qui sont assassinés pour ce qu'ils sont en France de nos jours, ce sont les Juifs. Quand j'étais petite, il y avait des meurtres racistes. Il n'y en a plus. Et c'est parce que les choses vont mieux que ces gens-là ne sont pas contents et qu'ils ont besoin que les choses aillent mal. Et même s'il y a plus de plaintes, je cite un chercheur, enfin un sénateur, un sociologue américain qui s'appelle Moynihan et qui disait que le fait qu'il y ait plus de plaintes dans un pays, c'est un très bon indicateur que les choses s'amélioraient. Parce que si vous portez plainte, c'est que vous avez conscience que vous avez subi un préjudice. Et donc c'est pas normal ce qu'on vous a fait. Que vous faites confiance à la police et à l'État pour faire reconnaître votre préjudice et le faire réparer. Donc même s'il y a une augmentation de plaintes, c'est la preuve, encore une fois, que les choses vont mieux. Et c'est parce que ça va bien qu'il faut que ça aille mal. Et donc ils sont en train de raconter que la France est raciste, que la police est raciste, qu'ils sont en train de racialiser les gens. Et ils tiennent des propos, par exemple, je vous cite, « Nous appartenons à notre communauté et nous l'assurons de notre loyauté ». Quelle communauté ? Ben, la communauté religieuse. Sauf que la communauté religieuse, on est dans la régression biologique, c'est la communauté d'assignation par l'épiderme et par le patronyme. Et ils sont extrêmement habiles parce que maintenant ils utilisent l'argument de la liberté. Et c'est l'argument qu'on m'oppose tout le temps. On a le droit de... Voilà. Elles exercent leur liberté. J'ai reçu une chercheuse américaine... Il y a du mal avec ça, avec la laïcité. Elle travaille sur la laïcité. Alors, je me suis dit, voilà, elle est venue voir mes élèves. Voilà. Et cet argument de la liberté, c'est un argument faux. Parce que déjà, la liberté, il faut être éduqué. Il n'y a pas de libre choix si vous n'êtes pas éduqué à ce libre choix. Et il n'y a pas de libre choix s'il n'y a pas d'équivalence morale entre les deux choix qu'on vous propose. Si on vous dit, tu portes le foulard, tu es pur, tu respectes ta communauté, tu es loyal à ta communauté, ou alors tu ne portes pas le foulard, tu es impur, tu trahis ta communauté. Où est le libre choix ? Maintenant, qui va accepter de choisir de trahir plutôt que d'être fidèle ? C'est pour ça que moi, je reçois souvent des termes gentils comme archiète, collaborette, négresse de maison. Voilà, parce que je ne tiens pas le discours qui est qu'on me somme de tenir à cause de ce que je suis. Ce que je suis,
ne décide pas de ce que je pense. Il faut réfléchir, il faut penser, et on est en train d'essayer de détruire les trajectoires personnelles, la part de liberté, on est en train de détruire l'individu pour ramener vraiment les gens, comme dans toutes les sociétés multiculturalistes, à leur communauté. Et donc il y a une pression, un chantage, et c'est ce qu'on voit sur les enfants. Alors, pour cet argument de la liberté, je vous ai apporté par exemple cette image. Voilà, c'est d'un artiste connu, et bien sûr j'ai oublié son nom, Stephen Barnett, un truc comme ça. C'est celui qui avait fait à peu près la même image pour Obama. C'est beau, c'est une icône. Donc, voilà. Ça, je vois bien que c'est une latine, une latina. Ça, je vois bien que c'est une afro-américaine. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'elle est sortie du ventre de sa mère, déjà équipée d'un foulard? Je ne crois pas. Donc on met sur le même plan des facteurs ethniques avec la religiosité. Pas la religion, la religiosité. Le foulard, c'est une forme de religiosité orthodoxe. Donc on essaye de vous faire dire que quand vous êtes arabe, il faut être musulman. Et pour être musulman, il faut être islamiste. Arabe égale islamiste. Mais si vous n'êtes pas islamiste, c'est que vous êtes un mauvais musulman et donc un mauvais arabe. Voilà ce chantage permanent qu'on nous fait. Et je montre aussi cette image parce que c'est pour vous dévoiler le mécanisme de cette grande arnaque de la liberté. Elle a été diffusée lors de la Women's March, vous savez, contre Trump. Trump et sa misogynie crasse. Et elle a été complètement accaparée et puis détournée cette marche féministe par les islamistes comme Linda Sarsour, avec donc la fierté de porter ce hijab qui serait un symbole d'émancipation. Et en fait, il y a un type qui s'appelle Edward Barnett, le neveu, là j'en suis sûr, c'est le neveu de Freud, et qui est considéré comme avoir inventé les relations publiques. Et qui racontait que dans les années 50-60, aux États-Unis, il avait été contacté par le dirigeant d'une entreprise de tabac, qui lui disait « Je suis gêné, les femmes ne fument pas. Et donc ça me prive de 50% d'une clientèle possible. Comment puis-je faire pour que les femmes commencent à fumer ?» Donc qu'est-ce qu'il a élaboré comme plan marketing ? Eh bien, il a attendu une marche des suffragettes pour la liberté de la femme. Il a loué les services de comédiennes. Et ainsi, il a convoqué les journalistes en disant qu'il allait se passer quelque chose. Et un signal donné, ces femmes ont toutes sorti une cigarette et elles l'ont allumée. Et elles ont appelé ces cigarettes les torches de la liberté. Et voilà comment cet objet cigarette est devenu un objet de subversion et d'émancipation. Le symbole de l'émancipation des femmes. On fait la même chose avec le voile. Pourquoi ce qui est perçu pour ce qu'il est en Iran, c'est-à-dire un signe de subordination au patriarcat masculin, au patriarcat oriental. Pourquoi serait-il ici un signe d'affranchissement? Depuis quand un objet a différentes significations selon le pays où il est? Et bien pourtant, voilà l'habileté où on retourne ça, puis ça devient un objet d'émancipation. Cela ne l'est pas. Cela ne l'est pas. Alors comment ça nous concerne à l'école? Il faut être raisonnable. Il n'y a pas le feu au lac, heureusement. Et quand j'étais face au ministre Blanquer lors de l'émission sur France 2, je lui ai dit que moi j'étais contente qu'il y ait des frictions entre l'école laïque et les musulmans, parce que ça prouvait qu'ils allaient à l'école publique, eux. Il n'y a plus guère de juifs dans les écoles publiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de friction. Et s'ils ont quitté les écoles publiques, c'est pas parce qu'on les empêchait de porter la kippa, c'est par sécurité. C'est par peur. Et je tiens à rappeler ces propos répugnants de la sénatrice Esther Benbassa, voilà, qui disait que depuis que les parents juifs mettaient leurs enfants juifs dans des écoles juives, eh ben, il y avait vraiment moins d'antisémitisme. Voilà ce qu'elle a osé tenir comme propos. Ça ne me réjouit pas. Donc les catholiques ont leur réseau d'école. Les juifs ont leur réseau d'école. Les musulmans ne l'ont pas encore. C'est pour ça qu'il y a ces frictions-là. Donc moi, je me réjouis, c'est là. Moi, je veux que les gens soient à l'école publique. Et ça reste l'enjeu fondamental. Et ce qu'on essaye, ce qui est en plein recul. Voilà, parce que, comme je le disais aussi à Blanquer, et comme on le sait tous, je lui disais, est-ce qu'il est normal qu'en France, il soit plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir un lavomatique ou un kebab? Voilà, parce qu'il y a juste besoin d'une déclaration. Et de respecter les bonnes mœurs, c'est-à-dire de ne pas diffuser de porno, par exemple. Sinon, un extincteur, un local fermé, et vous pouvez ouvrir une école en France. Avec des écoles sous contrat, d'accord, qui n'ont pas respecté la laïcité, mais des écoles hors contrat, qui explosent, notamment à Toulouse. Voilà pour moi. Et ces écoles, c'est des écoles coraniques. Donc voilà pour ce projet. Et ce projet, il y a une stratégie, c'est que on est dans une société démocratique en France.
Et ça gêne les leaders communautaires. On n'est pas dans une société multiculturaliste comme au Canada. Et ils ne savent pas comment tenir leur communauté, parce que leur communauté, elle est disparate. Il n'y a pas une communauté de musulmans, tout comme il n'y a pas une communauté de juifs, tout comme il n'y a pas une communauté de catholiques, tout comme il n'y a pas. Il y a des gens divers. Et c'est pour ça qu'on a inventé le concept d'islamophobie, c'est-à-dire vraiment pour coaliser une communauté qui était disparate. Et c'est le philosophe Michael Welzer qui l'explique, que dans un État-nation, les leaders communautaires ont plus à craindre, je le cite, de l'indifférence de leurs membres que de l'intolérance de la société. Donc il faut créer cette intolérance. Il faut créer ce sentiment d'intolérance. Islamophobie. Et ces statistiques folles. Pour créer, contrôler, unifier cette communauté qui n'était pas. Et encore une fois, on nie la part individuelle, on nie la trajectoire individuelle des personnes. Pour appuyer ce que vous dites, je reviens toujours à mon étude. Ce qu'ont constaté les deux chercheurs, c'est que le sentiment de discrimination est deux fois plus fort chez les jeunes musulmans que chez les autres. Voilà, donc ça fait partie aussi des constats de l'étude. Et ce qu'ils ont constaté aussi, c'est qu'à l'inverse, il existe un mouvement de forte sécularisation de l'ensemble des jeunes, sauf chez les jeunes musulmans qui sont en train de revenir à une pratique religieuse forte. Donc c'est ce que vous disiez, on n'est pas dans quelque chose où le religieux est absent du tout. Le religieux est bien prégnant. Ils appellent ça un effet islam prépondérant d'adhésion à une radicalité religieuse qui est présent chez ces jeunes. Sur les discriminations, encore une fois, moi je me rappelle petite, il y avait des crimes racistes. Voilà. Il y a eu des assassinats racistes en France, ça n'existe plus. Est-ce que la discrimination existe encore au logement? Oui, dans certains cas, sauf que maintenant vous avez des outils juridiques, vous pouvez porter plainte. C'est tout ce discours de la victimisation. Et moi, comme je suis républicaine, je suis très attachée à la responsabilité individuelle. Et il va falloir mettre les gens face à leur responsabilité en leur disant la société n'est pas coupable de tous les maux. Des chercheurs ont observé des policiers qui effectuaient des contrôles à la gare du Nord. Et ils ont observé qu'en fait, ils ne contrôlaient pas plus les Arabes et les Noirs que les Blancs. Ils contrôlaient plus les gens en survêt que les gens en costume. Donc un Noir qui se promenait en costume n'était pas contrôlé. Un groupe de jeunes en costume wesh-wesh, c'est-à-dire les survêtes qui n'équipent pas, était contrôlé. Et le chercheur avait parlé de prolophobie plutôt que d'islamophobie des policiers. Donc il y a des choses qu'il faut relativiser, mais encore une fois, on est en train de retenir le discours de cette société qui est coupable de tout, alors qu'en fait, ils sont à la troisième génération. Moi, mon frère est propriétaire, il a acheté une maison avec un grand jardin, et ses enfants sont en échec scolaire. Ils n'ont pas grandi comme moi dans un T4 en étant 10. Ils n'ont rien connu de ce qu'on a connu, nous, c'est-à-dire ma mère a élevé seule à un moment 8 enfants, on a été au Resto du Cœur, c'est cours catholique, mais mes élèves n'ont jamais connu ça. Il va falloir leur expliquer, j'en veux beaucoup aux parents, et il faut voir le rôle des parents. Il y en a qui n'ont pas les moyens, et qui donc vivent dans des quartiers difficiles. Il y en a qui ont fait des arbitrages, et leurs arbitrages c'est, je vis dans ce quartier-là pour payer le moins, et je garde l'argent pour avoir une maison au bled. Parce que pour le prix d'un petit appartement en France, je peux avoir une maison sur 3 étages au bled. Et ils entretiennent leur enfant sur ce fantasme de la vraie vie elle est ailleurs, elle est au paradis. Elle est au bled. Et la vraie vie, c'est l'été. J'ai dû expliquer à une élève un jour qu'en Algérie, il faisait froid l'hiver. Elle m'a dit non, c'est pas vrai. Parce que pour eux, l'Algérie, c'est personne travaille, tout le monde est content. Et puis tout le monde a un pouvoir d'achat européen. J'ai un élève de 6e qui me dit, nous en Algérie, déjà nous, donc il faut que je lui fasse rappeler qu'il est né en France, donc c'est on ne paye pas l'eau et l'électricité. J'ai appelé ma mère en plein cours. J'ai mis le haut-parleur et je lui ai dit, voilà maman, est-ce que c'est vrai que tu ne payes pas l'eau et l'électricité? Et ma mère a dit, mais il est fou celui-là, dis-moi où il habite, c'est quoi son quartier? Il a un puits chez lui, c'est pour ça qu'il a de l'eau. Il s'est ridiculisé devant les autres élèves se sont moqués de lui, après il a vérifié avec ses parents lui ont dit qu'effectivement il disait des bêtises. Mais comment il a pu comprendre ça? Un autre élève qui me dit, mais très gentiment, un élève de 6e qui me dit, parce qu'on fait le judaïsme en 6e, il me dit, ma mère elle m'a dit qu'il faut craindre que Dieu. Donc je lui dis, votre mère essaye de faire ce qu'elle estime juste, c'est-à-dire de vous transmettre une éducation religieuse. C'est ce que tout le monde fait. Les gamins, en fait, sont les produits de leurs enfants. À part les convertis, de leurs parents, pardon. Leur conviction, ou leur athéisme, ou leur pratique, c'est dû à leurs parents. Et je lui dis, nous on est à Toulouse, hein, je lui dis, mais s'il y a un ours qui poursuit votre mère, ça m'étonnerait qu'elle bouge pas et qu'elle lui dise, mais moi je fais rien, je crains que Dieu.
Non, elle va avoir peur et elle va s'enfuir. Pareil si vous êtes poursuivi par un chien. Donc, il faut relativiser. Ses parents sont en train de transmettre très tôt à des enfants des consignes religieuses sans que eux aient les armes intellectuelles pour mettre de la distance. Ils prennent tout au premier degré, les petits. Absolument tout. Ça a bien sauté une génération parce que là, on en est à la troisième, voire quatrième génération. C'est cette génération-là. Comment ça a pu se passer? Parce qu'on accueille donc les grandes vagues d'immigration, on est dans les années 60. Donc, s'installent, ils s'intègrent. Il n'y a pas de problème particulier. Leurs enfants s'installent, s'intègrent. Comment est-ce qu'on en revient à ça aujourd'hui? Comment, alors que finalement, cette génération est complètement coupée, n'a plus de racines, pratiquement. Comment est-ce qu'on a... Alors, la génération de mes parents, puis je peux en parler factuellement parce que dans mon quartier, il y avait que ça, c'était des gens qui ne se voyaient pas vivre en France à l'origine. Hein. C'était, ils travaillaient, ils accumulaient l'argent. C'était provisoire. C'était provisoire. Et puis, moi, mon père a fait venir ma mère et mes frères qui sont nés en Algérie. Quand il a vu qu'il y avait des allocations familiales, il dit, ben voilà, je vais ramasser encore plus d'argent, construire une maison là-bas et repartir. Après, finalement, ils sont restés. Je tiens à dire que les gens de cette génération-là sont tous en train de mourir de cancer et de maladie parce qu'ils ont eu des boulots dégueulasses, dans des conditions de travail dégueulasses. Mais ils ont travaillé, et puis les appartements qu'ils ont eus, ils les trouvaient bien confortables à l'époque. Hein, salle de bain individuelle, voilà. Leurs enfants, c'est ma génération. On n'était pas aussi obnubilés par la religion. Voilà. Puis il n'y avait pas spécialement de mosquée, et puis il n'y avait pas cette obsession de la pratique religieuse. On mangeait halal, on ne mangeait pas de porc, et puis il y avait mixité à l'école, il n'y avait pas d'école privée, donc voilà. Ce sont nos enfants. Pourquoi? Parce que on a eu ce que je disais tout à l'heure, cette plus grande exigence, parce qu'on allait à l'école de la République, on est tous scolarisés, on est tous éduqués, on a eu de l'argent, et puis on a cru bien faire en disant, on va transmettre aux enfants notre culture, la culture. Parce que quand on est immigré, on a le derrière entre deux chaises. Il faut vraiment être un bobo pour pas comprendre qu'on a besoin de s'enraciner. On a besoin de prendre racine. Je parle pas de souche, parce que la souche, c'est un arbre mort. Je parle de prendre racine, que ce soit volontaire. Et je cite ces propos du sociologue Abdelmalek Sayad qui disait « Les immigrés attendent de l'école, et plus précisément de la métamorphose que celle-ci est censée opérer sur la personne de leurs enfants, qu'elle leur autorise ce qu'ils ne peuvent s'autoriser eux-mêmes, à savoir s'enraciner. » Se donner à leurs propres yeux et aux yeux des autres une autre légitimité, sans avoir ce sentiment de trahir. Ben, ces enfants, les gens de ma génération, ils ont plus d'argent. Donc ils ont fait plus d'aller-retour vers le pays, avec leurs enfants, mais avec un pouvoir d'achat européen. Mais sans faire comprendre à leurs enfants que c'est un pouvoir d'achat européen. Sans leur faire comprendre qu'en Algérie, le prix des appartements à Oran, c'est l'équivalent des appartements à Marseille. C'est extrêmement cher. Que maintenant, les gens se marient à 30 ans. Parce qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas les moyens. Non, ça, ils ne le voient pas. Ils voient qu'eux ont une maison. Une espèce de vision idéalisée, complètement idéalisée. Complètement du bien. Donc, j'en veux déjà leurs parents de leur faire vivre dans cette fausse illusion, et leurs parents sont fiers d'avoir ce pouvoir d'achat supplémentaire. Hein. Voilà. Et c'est comme moi, hein. Si je vais au Portugal, c'est que j'ai l'impression d'être riche là-bas. Si je vais en Angleterre, j'ai l'impression d'être pauvre. Hein. On fait aussi ça quand on est dans le tourisme. Mais ils ne leur tiennent pas ce discours-là. Et puis, ils ne leur tiennent pas le discours... Ils ne leur font pas verbaliser choses comme le fait d'être français. Moi, je dis souvent à mes élèves, prenez le slogan du Front National et faites le vôtre. On est chez nous, vous êtes chez vous. Tirez-en les conséquences. Si vous êtes chez vous, comportez-vous comme si vous étiez chez vous. Et ce n'est pas le mode de l'alternative qu'on leur impose, parce que les parents ont enfermé leurs enfants dans un conflit de loyauté. Et l'alternative, soit la France, soit le bled. Soit le quartier, soit le collège. Comment voulez-vous qu'ils choisissent l'école plutôt que le discours de leurs amis ou que le discours de leur famille? Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et je racontais dans un article de la revue Les Deux Mondes qu'au moment de la minute de Charlie, j'ai un élève qui a refusé de la faire. Et ça faisait pression un peu sur les autres élèves parce que c'était un élève assez dur. Et je lui dis, pas de souci, vous excluez du deuil national, vous prenez votre table, vous la retournez contre le mur, vous n'existez plus pour moi jusqu'à la fin de l'année. Il l'a faite. De force. Mais ça a permis aux autres de la faire, et ils en étaient soulagés. L'année suivante, j'en ai reparlé, l'élève, et il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'était stupide. Ben oui. Il faisait ce qu'il pensait que ses parents attendaient de lui. Parce qu'ils les ont enfermés dans ce conflit de loyauté-là. Donc c'est comme la belle accordaire, hein, entre le riche et le pauvre, le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. En étant ferme, l'école doit être ferme,
elle leur permet de ne pas avoir à trancher. Nous tranchons à leur place. Et ça les protège. Il peut dire, j'ai pas eu le choix, cette méchante prof. Ah, il ne peut pas dire cette prof raciste avec moi, mais cette méchante prof, elle me l'a imposé. Il ne faut pas les laisser prendre ce choix. Quel enfant n'a pas envie de plaire à ses parents? C'est sa première raison de vivre, hein, contenter ses parents. Donc c'est là où il faut être absolument ferme, et là où, par exemple, on a un rôle à jouer dans l'école, mais à condition, bien sûr, qu'il y ait de la mixité, à condition qu'elle soit publique, parce que le SNESCO, qui est une autorité indépendante de l'État, a répertorié 100 collèges qualifiés par elle de ghetto ethnique et culturel. Moi, j'ai bossé à Marseille dans un collège où il n'y avait pas 10 élèves blancs. Et l'après-midi, j'allais bosser dans un autre collège où il n'y avait pas 10 élèves arabes ou noirs. Voilà, c'est ça Marseille. On vous fait croire que c'est cosmopolite. Pas du tout. C'est complètement communautarisé. Alors, comment voulez-vous que les gamins se rencontrent, se mélangent, s'apprivoisent, n'aient plus peur les uns des autres? J'ai fait venir Madame Ibn Ziaten avant qu'elle soit connue, ça ne me gêne pas. Elle tient un discours que les hommes politiques ne tiennent pas, sur la laïcité, sur la République, le fait d'aimer. Elle dit, moi je suis française, musulmane, marocaine, et j'aime les trois pareils. C'est pas soit l'un ou l'autre, c'est les trois pareils. Donc, je leur dis aux gamins, je leur dis, voilà, là vous avez ressenti ce qu'on appelle de l'empathie, parce qu'elle ressemble à votre mère. Le premier réflexe, c'est de ressentir de l'empathie vis-à-vis de ceux qui nous ressemblent. Mais je leur dis, on est en République, vous devez ressentir de l'empathie envers même envers ceux qui ne vous ressemblent pas. Et je fais venir une dame qui s'appelle Rachel Roises, qui est présidente de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés de Haute-Garonne, qui fait poser des plaques sur les écoles dont des enfants étaient déportés. Et en fait, c'est la première juive que mes élèves rencontrent. Donc j'avais des élèves qui étaient très braqués. Et quand ils ont vu cette femme de 76 ans dire « maman » et « papa », ça les a tellement choqués. Mais juste ça, maman et papa. Maman m'a dit que, et papa pensait que, voilà. Je les ai vus, mais pff, se dégonfler. Et là, ils étaient réceptifs. Vous voyez, il faut aussi jouer sur la fermeté, mais aussi sur la ruse. L'empathie d'abord vers ceux qui ressentent, mais après, les obliger à aller plus loin. Et c'est ça l'enjeu de la citoyenneté de l'école, ce que j'appelle moi le compatriotisme. La fraternité, c'est pas simplement vers ceux qui nous ressemblent. C'est voir ce qui nous rassemble. Et c'est pas simplement l'exercice de droit. Parce que quand on réduit un État à un guichet de service, ça crée une société d'enfants plus gâtés, de consommateurs, et eux-mêmes éprouvent un manque, ça nourrit pas son homme. Macron, dans son dernier discours, qui explique qu'il n'y a de transcendance qu'avec la religion. Non, 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 pas du tout. La transcendance, elle n'est pas qu'avec la religion. Voilà. L'attachement que j'ai à la France, ça me transcende. L'attachement que j'ai à la République, ça me transcende. Et être citoyenne, c'est aller plus loin que simplement réclamer mes droits. C'est exercer mes devoirs vis-à-vis de mes compatriotes. C'est ça qui fait de moi une citoyenne. C'est ça qui fait de moi... Je dis souvent à mes élèves, on ne pense pas comme on rote. Avant de penser, il faut réfléchir. Il faut forger son opinion. Forgeron. La forge. Ça fait des étincelles. Il faut taper. Ça, il faut le remettre dans l'eau. Il faut le ressortir. C'est chaud. Il faut retaper dessus. Et après, ça fait un outil utile. Utilisable. Donc, tout ce qu'on a à faire à l'école, déjà, ne jamais toucher à la religion, le contenu. Jamais. On s'en fiche. On s'en fiche. Moi, je ne parle pas de l'islam, du contenu du judaïsme. Moi. J'explique ce que, historiquement, ce à quoi les gens ont cru. Voilà. Ça appartient aux parents. Ce n'est pas moi qui ai l'autorité parentale, mais il y a la fermeté des limites. Et cette fermeté, ces limites, ça consiste à dire que, quelle que soit la religion, quelle que soit la tradition, quelle que soit la culture, c'est la loi qu'une nation de citoyens se donne qui est supérieure et qui s'applique sur l'ensemble d'un territoire. Je signale que, par exemple, l'excision est de nouveau en progression et que dans les pays anglais, on appelle ça la circoncision féminine. Voilà. On est en train de dire que ce n'est plus du tout une mutilation. Vous souriez, le guide du citoyen au Canada n'en parle plus. L'ancien guide disait clairement que c'était une mutilation féminine interdite au Canada. Ça a disparu. Dans 20 ans, on va en parler en France. Parce que c'est le laboratoire. L'Angleterre. Les États-Unis. Le Canada. Je parlais avec Christelle tout à l'heure d'une dame qui était venue me voir en me disant qu'elle travaille, elle est formatrice dans une école pour infirmières. Donc Bac plus 2. Et grâce au CCIF, ils ont obtenu le droit, certaines filles, de porter le foulard. Je me suis dit, tant mieux pour elles. Sauf que, à partir du moment où elles portent le foulard, elles sont cohérentes.
Il faut être très méprisant pour considérer que le foulard, c'est juste un fichu, un chouchou, un béret, quelque chose comme ça d'esthétique. C'est un signe de religiosité orthodoxe. Elle refuse de faire la toilette des vieux messieurs. Ben oui, la pudeur. Elle refuse d'assister aux cours sur la sexualité, sur l'avortement, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Donc moi, je dis à cette dame, très tranquillement, ben, c'est simple, vous leur donnez pas leur diplôme, et on n'en parle plus. Elle me dit, non, ma directrice a trop peur de se prendre encore un procès. Je lui dis, oh, vous allez livrer des gens qui sont inemployables, alors. Ben, c'est ce qui se passe en Angleterre. Vous avez des infirmières qui portent foulard et à qui on autorise de ne s'occuper que des femmes, contre le serment d'Hippocrate. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir ce qui vient après. Ce qui vient avec le voilement, c'est les femmes qui restent à leur place, mais c'est aussi le reste de la religiosité. Essayez de parler du mariage pour tous aux élèves. Ah mais non, c'est... L'homophobie, c'est que les blancs. Le patriarcat, c'est mal que quand c'est les blancs. Le mâle blanc, il est méchant. Par contre, le patriarcat oriental, il faut l'accepter. Parce que c'est culturel, vous comprenez, c'est culturel. Mais je viens pas d'une tribu de Nouvelle-Guinée. Je suis pas un papou. Je suis né ici. Je suis votre compatriote. J'ai les mêmes exigences et j'ai le même sens de la dignité. Il n'y a pas de degré dans la dignité. Donc, on parlait de la laïcité. Je vais vous faire un aveu. J'en ai plein le dos de la laïcité. J'en peux plus d'en parler. J'en peux plus d'écrire dessus. Je n'en peux plus. C'est pas une fin en soi, la laïcité. C'est pas un truc que je me suis fait tatouer. Pourtant, j'en ai des tatouages. Mais non. C'est un moyen. Un modus vivendi pour la République. C'est la façon de dire aux enfants, ouais, t'as tes convictions religieuses, mais là, je m'en fous, tu as le même enseignement que les autres. Et pas d'allergie au chlore qui empêche les filles d'aller à la piscine parce qu'elles ne veulent pas montrer leur corps aux garçons. Cette hypersexualisation. Oui, il y aura les cours de SVT, on parlerait de l'évolution. Oui, il y aura les cours de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Oui, l'égalité filles-garçons. C'est ça la laïcité, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obsession. Et parler de radicalisation de la laïcité comme l'a fait notre président, qui est vraiment pour le multiculturalisme, à quel point c'est insultant pour nous, militants. Combien de gens vont nous tuer? Quelle menace représentons-nous? À part pour les leaders communautaires. Parce que c'est eux que Macron cherche à rassurer. Donc là, au nom de la tolérance, de l'ouverture d'esprit... Mais si vous dites tolérant, hein, ayez conscience que vous êtes profondément égoïste et qu'en fait, vous ne faites que vous féliciter de votre ouverture d'esprit. Et d'accepter pour les autres ce que jamais vous n'accepteriez pour vous. Ces nouvelles féministes. Elles acceptent, elles défendent pour les autres ce qu'elles n'acceptent pas pour elles. Mais c'est qui ces autres? En quoi je suis autre? Et voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre les gens dans un système tupperware où il y a un destin, une assignation en résidence. Et c'est ce que je vois avec mes élèves, et ça prend la forme de cette hyper-religiosité qui fait qu'ils n'ont plus cette distance-là, et qui fait que nous aussi, on a la trouille, l'État a peur. Les hommes politiques s'en sont servis, vous avez de la chance à Rouen, la démographie a fait que vous n'avez pas eu besoin de vous en servir. À Toulouse, le maire a été élu en allant dans les mosquées, et en leur disant, regardez, les socialistes, ils ont fait le mariage pour tous. Ah. Vous, la démographie a fait que ce genre de réunion peut se tenir aujourd'hui dans certaines villes. Jamais je ne serai invité. Ça, je m'en doute bien. À Lyon, je ne serai jamais invité. À Marseille, je ne serai jamais invité. Déjà à Lille, j'ai été surprise d'être invité, mais c'est dans un quartier où vraiment ceux qui tiennent le centre social ont des convictions chevillées au corps, mais vraiment très très importantes. Mais les créneaux réservés aux femmes, ça a l'air sympa. Marie-Lyne, ça a l'air sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les exigences suivantes? Ils ont essayé de faire ça à Marseille, dans un centre aquatique. Mais l'autre exigence, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de maître nageur homme. Donc en fait, il faut qu'il n'y ait pas d'homme du tout. Et ces revendications de le camp d'été des coloniales interdit aux blancs et aux métis. Si ce n'est pas biologique, si ce n'est pas du racisme d'interdire ça aux métis. La question que je m'étais posée, c'est comment on définit la couleur? Est-ce qu'on est assez, à quel point on est assez noir en fait ou pas assez, ou comment est-ce qu'on définit la couleur de la peau? Enfin, ça pose toute une série de questions qui sont profondément racialistes. Ça renvoie au code noir aux États-Unis dans les années 50. Enfin, ça renvoie à ça, où il y avait des carterons, où on avait un huitième de sang noir, où on était métis. Enfin, je crois qu'on commence à creuser la question en espagnol pour pouvoir dessiner, voilà. Oui, pour désigner tout à fait. Quand on commence à rentrer dans ce genre de questions-là,
on soulève des choses qui sont profondément racistes. Enfin, on peut pas les... Bah, il faut voir les analyses tellement brillantes de Rokhaya Diallo sur le film Black Panther, où elle parle de pigmentation, en disant oh, « c'est bien, pour la première fois, il manque des noirs vraiment noirs, parce qu'en fait, les noirs qui sont clairs de peau ne sont pas des vrais noirs. » Ça veut dire que puisque votre peau ne suffit pas, il va falloir que vous donniez des gages. Et vous piégez les gens en disant, on leur tient le discours de cette authenticité. T'es pas un vrai si t'es pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, t'es pas une vraie arabe qui s'assume. Arquillette, collaborette, blanchie, voilà ce qu'on m'a dit, négresse de maison, c'est une violence. Si t'es pas musulmane, en fait t'es une fausse musulmane si t'es pas islamiste. Parce que si t'es simplement musulmane, c'est qu'en fait tu fais plaisir aux blancs, aux français, tu embrassent leur façon de voir la religion. Il faut être islamiste pour être un bon musulman et pour être un bon... Donc voilà, on tient ce discours-là qui est profondément biologique, qui est profondément ethnique et qui est pareil que le discours tenu par les identitaires. Je cite Jean Mabir, qui est mort, mais qui disait « Il parle de moi à un moment sans parler de moi. » Voilà. Donc c'est un identitaire hein, d'extrême droite. Pour les immigrés comme pour nous, hormis une minorité de garçons et surtout de filles qui voudront changer d'âme à défaut de changer de peau. Voyez la trahison ? Il faut leur permettre et même les encourager à cultiver leurs différences. Donc oui au voile, oui aux écoles traditionnelles, oui aux mosquées, oui au ramadan et même à Tariq Ramadan qui a provoqué un tel scandale chez les bien-pensants de la pensée unique. C'est un identitaire extrême droite qui a écrit ça. Vous comprenez leur intérêt ? Tant qu'on ne vit pas ensemble, laissons faire aux autres ce qu'ils veulent faire. Et par exemple, c'est un militant de la LGBT qui m'expliquait ça. Pour la première fois l'année dernière, au Canada, la Gay Pride, Pride ça veut dire fierté, hein. Ça veut dire on s'assume, hein, fierté, a changé son itinéraire pour éviter un quartier qui était devenu à majorité musulmane, pour ne pas les offenser. Elle est où la Pride là ? Elle est où la fierté ? On est dans l'obséquiosité. Regardez Nestlé qui fait retirer les croix des églises orthodoxes des yaourts grecs. Oui. Mais personne leur a demandé ça. Sur les yaourts. Mais personne. C'est ce qu'on appelle l'obséquiosité. Et on va au-devant des demandes, même pas formulées, parce qu'en plus c'est un juteux marché quand même. Hein. Le marché du halal, c'est 5 milliards par an. Donc en plus le marché, grâce au pouvoir d'achat, ce qui prouve bien qu'on vit bien. Donc on va au-devant de demandes qu'il n'y a pas, et en fait on enferme les gens et on leur dit bien, voilà ce que tu dois être. Et si tu es pas ça, moi c'est ça, je me retrouve face à des gens qui m'expliquent ce que je dois être, comment je dois être pour être une bonne arabe. Et je me retrouve souvent face à des bourgeois blancs qui m'expliquent ce que je dois être pour être une bonne arabe. Et à France Inter, Laure Bleu, Laure Adler, la féministe dont je vous ai parlé, alors Laure Adler disait qu'on avait, qu'on n'était pas de la même génération, elle et moi. Vous savez, moi je suis vieillotte. Il n'y a que 9 ans qui nous séparaient, hein, les deux. Mais moi, étant féministe universaliste, je suis une vioque. Alors qu'elle, elle est tellement nouvelle, elle s'affiche en culotte sur son site, donc elle est super moderne. Et dans son bouquin, elle écrit qu'elle a été agressée par 2 hommes en col roulé qui lui ont dit que le voilement infériorisait les femmes. Et elle écrit dans son livre, quand même, hein. Elle écrit « Je leur ai dit que je ne pouvais pas argumenter, je n'avais dormi que 7h30 au lieu de mes 9h habituelles. » Mais quelle femme courageuse. Bon, après, elle m'a dit qu'elle travaillait 17 heures par jour. Alors j'ai compté, hein, 17 heures par jour plus 9 heures de sommeil, c'est bizarre quand même ces choses-là. Et elle, ce qu'elle dit, c'est « Je suis blanche et privilégiée. » Et quand j'étais invitée à l'université d'automne de la LICRA, il y a un type qui m'en voulait visiblement, qui s'est levé et qui a dit « Moi, comme Dostoïevski ou je ne sais plus qui, je me lève tous les matins, il se frappait, hein, je me lève tous les matins en me sentant coupable. » Et je lui dis « Je vous donne mon RIB. » Vous me versez une petite somme chaque mois, et puis on n'en parle plus. Vous vous sentirez moins coupable. Mais non, et il était venu avec des Arabes et des Noirs de Lyon, la section lyonnaise de la LICRA, je m'en souviendrai de celle-là. Il dit, et je parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. J'en dis, mais ils sont à côté de vous, donnez-leur un micro. Arrêtez de parler, vous, donnez-leur. Il ne l'a pas fait. Donc je me retrouve moi face à des bourgeois, j'appelle ça les bourgeois pénitents, qui me disent défendre la parole des racisés. Par contre, qui me font taire et qui me font passer pour une traîtresse. Alors, le terme scientifique, c'est native informer. En fait, ça veut dire négresse de maison. Donc, je suis face à ces gens-là et moi, j'ai envie de leur dire, mais attendez, vous êtes blanc, vous êtes bourgeois, je suis une femme, je suis racisée, bah taisez-vous. J'aime bien leur retirer, leur retourner leur argument. Mais non, ils continuent à exercer leurs privilèges
Et c'est comme quand j'ai été chassée de l'émission radio de Frédéric Taddeï. Oui, je m'en souviens. Parce que des bourgeois blancs. C'était Laurence de avait dit que, voilà, ouais, et Nicolas Cadenne de l'Observatoire de la Laïcité. Et en fait, c'est parce que je les pulvérise, parce que je les pulvérise au niveau du droit sur la laïcité, ils ne peuvent pas m'arnaquer. J'ai lu tous les textes, tous les arrêts des tribunaux administratifs, l'étude du Conseil d'État, et ils mentent. Et j'expose leurs mensonges. Et en plus, ils peuvent pas me sortir des choses, parce que je peux leur parler de mes origines populaires, parce qu'ils adorent les pauvres. Mais de temps en temps, pour prendre des photos. Hein. Après, chacun dans son quartier, et voilà. Et donc, Frédéric Taddeï écrit que si je ne suis pas dans l'émission, c'est que personne ne veut débattre avec moi parce que j'insulte tout le monde. Donc lui, l'homme qui a accepté de recevoir Nab, Marc-Édouard Nab, Ramadan, qui est donc contre le racisme, il a validé le plus vieux cliché qu'entre des vieux bourgeois blancs et une jeune beurette, c'est forcément la jeune beurette qui est agressive et qui insulte. Vous voyez, moi je me suis retenue face à Badinter, ça m'a démangé, mais j'ai pas insulté. J'ai pas l'habitude d'insulter. Donc voilà cette hypocrisie insupportable, cette condescendance. Moi, c'est là que je trouve le vrai racisme. Elisabeth Badinter, avec sa fortune, avec son intelligence, avec ses origines, qui veut pour moi ce qu'elle veut pour elle. Mais moi, c'est ça ce que j'appelle l'égalité. Mais ces vieux bourgeois blancs, et quand je dis vieux, c'est vraiment le mépris, ça n'a rien à voir avec leur âge, hein, parce que des fois, ils sont très jeunes, qui me disent « il faut être comme ça, parce que tes origines sont comme ça, puis il faut respecter ». Mais c'est eux qui sont méprisants, c'est eux qui sont colonialistes, c'est eux qui sont paternalistes. Quand ces associations s'opposent à la pénalisation du harcèlement de rue, en disant que ça toucherait que les hommes d'une certaine catégorie ethnique, vous vous rendez compte comme c'est méprisant ? Ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agresser les femmes parce qu'ils ont ça dans le sang, parce qu'ils viennent de ce pays-là. C'est-à-dire que s'ils font ça dans leur pays, ils ne sont pas punis dans leur pays. Et donc, comme d'habitude, comme toujours, la parole de la femme, elle passe après. Et ça sert à ça, l'intersectionnalité, quand on vous dit « femme et noire » ou « pauvre femme et noire » ou je ne sais pas quoi. C'est en fait d'abord le noir, d'abord l'épiderme qui décide, et la femme après. Donc on est dans une régression, et je le vois chez mes élèves. Mes élèves me disent, hein, une femme qui est violée, ça dépend de comment elle est habillée. Surtout si elle est dans un quartier. J'ai choqué des élèves en leur expliquant qu'une femme pouvait aller chez le gynécologue et se faire reconstruire l'hymen et être vierge à son mariage. Choquer les enfants, genre, oh, on me mentirait sur ma marchandise. Voilà, on est dans une régression qui est permise par les militants activistes, par les relais médiatiques. C'est pas moi qui passe le plus à la télé, hein. C'est eux qui passent le plus à la télé. Et ces militants antiracistes sont racistes. Ils sont dans le racialisme et ils sont en train d'enfermer les enfants, cette nouvelle génération, dans la culpabilité, dans le conflit de loyauté, dans surtout cette accusation permanente, la faute de l'autre. C'est la faute de la société, c'est la faute de l'autre. Sans jamais rien assumer. On ne construit rien sur un terrain mouvant. On s'enlise dedans, on s'enfonce dedans. Par contre, quand on s'enracine, quand on fait ce choix-là, et de dire « oui, je suis français, je suis bien dans ma peau ». Et « je suis français et autre chose ». Pas grave. Parce qu'on ne me demande pas de choisir. Il faut faire comme le roi Salomon. Le roi Salomon, pour arbitrer, il n'avait pas de test génétique hein, entre les deux femmes qui réclamaient le bébé vivant. Il a supprimé celle qui imposait le choix. Tout simplement. Il ne faut pas penser les choses en termes d'alternative. C'est Monterland qui disait « je préfère l'alternance à l'alternative ». Voilà. Il faut sortir ces élèves de ce piège-là. Et il faut enfin assumer de faire aimer la France, de leur faire verbaliser ça. Et c'est pas du nationalisme. Mais il faut vraiment être dans un bobo pour pas comprendre que ces gamins ne seront jamais bien dans leur basket, si on leur fait pas comprendre que l'endroit où ils sont nés, où ils vivent, où ils vont se marier, c'est chez eux aussi. Et qu'à partir de là, ils ont des devoirs à exercer, et c'est cela qui fera d'eux des citoyens. Le hasard de l'actualité fait que le numéro hors-série de Charlie Hebdo de cette semaine est consacré à la laïcité à l'école et à la façon dont les enseignants défendent la laïcité. Donc il regroupe une soixantaine de témoignages d'enseignants. C'est assez glaçant parce que ce que ramènent alors les enseignants, c'est à la fois effectivement les dérives religieuses de leurs élèves, mais c'est aussi beaucoup le manque de soutien de leur hiérarchie, le manque de soutien quelquefois de leurs propres collègues, le manque de soutien de leur hiérarchie. Une grande lâcheté. C'est ce qu'on trouve.
comment vous ça se passe comment chez vous? On a envie de dire dans votre collège, vous arrivez à fédérer vos collègues ou est-ce que vous vous retrouvez un peu seul aussi? Bon, je veux être honnête. Hein, oui. Il y a énormément d'enseignants qui sont pusillanimes, qui ont peur. Qui ont peur. Voilà. Il y a aussi des enseignants complètement démagogiques, que je ne supporte pas, plutôt gauchistes. Comme ceux en Seine-Saint-Denis qui ont écrit le texte pour dire que Charlie s'était lié au conflit à la Syrie, qui trouvent des raisons comme ça. Qui, chez moi, par exemple, se sont opposés à la fermeture d'un collège ghetto. Jamais ils n'y auraient mis leur gosse, hein, mais c'était assez bon pour les autres enfants. Comme d'habitude, toujours cette hypocrisie. Je vais vous dire, la fermeté paye. Et il suffit de verbaliser les choses. Et ça, c'est pas simplement mes origines, hein. Une élève qui me disait « Ouais, non, on va pas aller au cours sur la prévention de la sexualité parce que c'est le ramadan, on n'a pas le droit de parler de ça. » Mon principal passait par là, il lui a dit « Tu te tais, tu y vas et c'est bon. Ben, » elle y est allée, elle s'est tue, puis voilà. Donc la fermeté paye, la lâcheté ne paye jamais. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un tournant avec le nouveau ministre, où enfin, ils essaient de faire comprendre aux chefs d'établissement qu'il ne faut plus rien laisser passer. Je participe à un de ces groupes de réflexion un peu informels et j'ai demandé où c'est qu'on met le curseur. Est-ce qu'il faut accepter, comme les instituts le font, femmes, d'avoir affaire à des pères qui ne les regardent pas et qui ne refusent de leur serrer la main? Surtout quand il y a leurs enfants à côté. Vous imaginez l'image des enfants? Moi, je milite pour la neutralité religieuse des accompagnateurs de sorties scolaires. Le Conseil d'État, qui est un organisme de juridiction administrative, hein, et qui profite de la lâcheté des politiques pour pondre des arrêts très accommodants, a pondu une étude pour dire bah, vous pouvez l'exiger, la neutralité, ou vous pouvez ne pas l'exiger. Vous voyez, ça aide beaucoup. Et pour dire qu'on peut ne pas l'exiger, il se base sur un arrêt pris par le Conseil d'État sous Vichy. Mars 41. Vous vous rendez compte jusqu'où il faut remonter pour justifier ça, pris à l'initiative de catholiques intégristes. Voilà. Donc moi, je suis pour la neutralité absolue, et je suis persuadé qu'il y avait un rabbin avec une kippa qui accompagnait une sortie, que certains diraient, oui, effectivement, je suis pour la neutralité aussi. Donc, à cause de ça, la plupart des enseignants ne le font plus, puisqu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Parce qu'il faudrait avoir une formation en droit pour bien formuler le règlement intérieur. Parce qu'à chaque fois que les tribunaux administratifs ont donné raison aux parents, c'est pas à cause du fond. C'est sur la forme. C'est sur la forme, en disant que c'était mal justifié, que le règlement intérieur était mal rédigé. Mais qu'on peut tout à fait l'exiger. Et quand vous êtes dans des espaces ghettoisés, mais quand vous avez 99% des parents d'élèves, qui sont où aller? Sachant qu'en fait, c'est bizarre, il n'y a jamais de papa à qui part, jamais, c'est les mamans voilées toujours. C'est bizarre, elle ne travaille pas. Il faut aussi se poser ces questions-là. Donc oui, la question c'est qu'est-ce que je fais? Je prive les élèves de sortie? Ben, moi je dirais oui. Si les parents ne sont pas capables d'arbitrer et de dire oui, pour le temps de la sortie, je ne vais pas être moins bonne humaine, je vais être juste moins dans l'ostentation. Moi je suis pour. Parce que comme le disait Brian Berry, un spécialiste du multiculturalisme, quand vous ne pouvez pas profiter d'une opportunité économique ou autre à cause de votre choix d'une certaine hyper-religiosité, vous n'avez pas le droit d'en accuser la société. C'est votre responsabilité, c'est votre choix d'hyper-religiosité qui vous prive de cette opportunité-là. Ben, tant pis. Voilà. J'ai ma nièce, moi j'ai 7 frères. J'ai un frère témoin de Jéhovah, figurez-vous. Ancien en plus, hein, gradé. J'ai mes frères qui sont dans toutes sortes de pratiques de l'islam. J'ai deux frères salafistes, un peu zinzin, un gentil, puis les autres pratiquants complètement ordinaires, donc on a tout. Au moment du mariage pour tous, j'ai eu le témoin de Jéhovah et le salafiste contre moi, on a failli se battre, parce que les deux disaient que l'homosexualité était une abomination. Donc vous voyez, partenaire dans le crime, pas de souci, hein, manif pour tous, ils étaient bien d'accord. Et j'ai ma nièce dont la mère est chrétienne, non pratiquante, qui s'est pas convertie, qui est, donc, et elle est venue voir ma belle-sœur, elle lui a dit « Mais maman, les élèves, ils se moquent de moi à l'école, tu veux pas mettre un foulard pour faire comme les autres ?» Voilà ce qu'elle lui a dit. Parce que quand ça se banalise, quand ça devient normal, ce qui devient anormal, c'est les femmes qui ne le portent pas.
Et ma copine directrice de maternelle me l'a encore dit, où là, les enfants disaient, ta mère, c'est pas une vraie maman parce qu'elle porte pas le foulard. C'est-à-dire qu'ils ont même pas dit, ta mère, c'est pas une musulmane. C'est ta maman, elle ne porte pas. C'est pas une vraie maman, puisqu'ils n'y ont que ça. Et à partir du moment où c'est normal, ça devient la norme. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle turque. Quand elle s'est, avant Erdogan, hein, quand elle s'est prononcée pour, sur le licenciement d'une institutrice voilée, elle a dit oui, elle va être licenciée, parce que les enfants sont un public vulnérable. Et elle ne peut pas porter le foulard pour ne pas les influencer. Et elle écrit que dans une société où il y a beaucoup de musulmans, porter le foulard, ça met une pression sur les autres qui ne le portent pas en disant que ce sont de mauvais musulmans. Ça vient pas de moi, hein. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Cour constitutionnelle turque. Et je cite ces textes-là. Donc jusqu'où on va aller dans l'obséquiosité et jusqu'où on va aller. Donc moi, voilà, je suis pour la fermeté parce qu'elle paye. Et parce que l'école n'est pas... L'école n'est pas là simplement... Puis j'en veux beaucoup aux parents à cause de ça. Hein. Vous maudissez quand les vacances commencent et vous êtes heureux quand les vacances se terminent parce que vous n'avez plus vos gosses sur le dos. Qu'est-ce que vous valorisez par rapport à vos... Enfin, je dis vous. Si vous êtes là, c'est que en général, vous êtes un peu d'accord avec moi, donc c'est pas à vous que je devrais m'adresser. Est-ce que c'est la garderie? Mais qu'est-ce que vous valorisez? Voilà. Est-ce que c'est la réussite scolaire? Combien j'ai vu, moi, de petits garçons qui étaient excellents, arabes, qui étaient excellents en 6e, s'effondrer en 4e, 3e? Parce que c'est plus valorisé. C'est la performance sportive dans les clubs de foot qui est valorisée parce qu'ils ont tous l'impression qu'ils vont devenir des Zidane et rapporter du fric. C'est la force physique. C'est l'orthodoxie religieuse. C'est pas la réussite scolaire. Donc qu'est-ce que les parents valorisent? Qu'est-ce qu'ils transmettent quand on va à l'école? Eh ben nous, on n'est pas là pour garder vos gosses. Vous les avez faits, il faut aussi les assumer. Puis on n'est pas là non plus pour les éduquer. C'est vous qui devez les éduquer. On est là pour les instruire. Et comme on est là pour les instruire, ben les convictions religieuses, philosophiques, elles restent à la porte. Elles restent à la porte. Et contrairement à la pusillanimité de notre administration, oui, il va falloir assumer de dire que la science est supérieure aux convictions religieuses. On a, c'est en écho au, alors il y en a eu deux versions, hein. Il y a eu le livret sur la laïcité à l'intention des enseignants. Donc on a une première version qui date d'octobre 2015 dans laquelle on trouve ce paragraphe absolument merveilleux. Éviter la confrontation ou la comparaison de discours religieux et du savoir scientifique dans les disciplines scientifiques, SVT, physique, chimie, etc., il est essentiel de refuser d'établir une supériorité de l'un sur l'autre comme de les mettre à égalité. Si voilà. Vous comprenez quelque chose techniquement sur ce que vous devez faire, vous me le dites. Et c'est ça a été légèrement révisé, parce que ça avait fait un tollé quand même, hein, ce paragraphe-là. Moi, je m'en souviens, je l'avais repris. C'est quand même quelque chose qui avait été fortement repris, qui avait choqué les enseignants. Ça a été repris dans une autre version du même livret laïcité en décembre 2016. Et la phrase a été remplacée par... La pédagogie de l'école opère la distinction entre les savoirs et les croyances sans pour autant les confronter ou les comparer en laissant la liberté de conscience à chacun. En gros, c'est faites bien comme vous voulez. Hein, voilà. Et tout le monde sera content. Ils ont supprimé le terme, enfin, le terme qui a disparu, c'est supériorité qui a disparu entre les deux versions, mais c'est pas plus clair. À la fin, vous avez des études de cas. Pour les comprendre, il faut bac plus 12 en droit. Et vous mettre des situations, est-ce que dans l'internat, quelqu'un a le droit de prier, voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est bah, d'un côté non, puis d'un côté complètement oui, donc débrouillez-vous. Oui. Encore une fois, la solitude. Et le problème, c'est que l'État, comme ça, a l'air lâche, mais il n'est lâche que parce qu'il s'interdit de dire les choses. Il a laissé faire ses ghettos. Et Aurore Berger, qui a pondu un rapport répugnant et d'une paresse crasse, qui dit que les profs pour rencontrer les parents, devraient faire appel à des membres d'associations, parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs codes sociaux. Je sais pas, des fois qu'on est affaire à des nudistes, des fois qu'on est affaire à des gens qui nous crachent dessus comme façon ordinaire de saluer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, l'école est engluée dans les difficultés d'un territoire et qu'on le laisse encore plus être englué dans les difficultés d'un territoire. Je peux vous le garantir, le problème se pose déjà avec des surveillants qui font des drôles de remarques aux gamins qui font pas le ramadan. Donc on prend ces surveillants-là parce que comme ils ressemblent aux gamins, qui sont de la même communauté, on espère, c'est comme les chauffeurs de bus barbus à RAT. Bah, c'est la théorie du grand frère, voilà. c'est le grand frère qui a réalisé. Donc ils font des petites remarques, déjà ça. Mais je peux vous garantir que dans certains quartiers, d'ici 10 ans, on fera intervenir l'imam comme médiateur dans le collège. Voilà ce qui se passera. Parce qu'il n'y a plus de mixité. L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est l'école publique, laïque,
obligatoire. Et je sais que ça, c'est une de mes idées qui sera jamais pratiquée. Moi, je voudrais qu'il y ait une maternelle et une école primaire, obligatoirement, le public pour tout le monde. Et si les gens veulent mettre leur gosse dans le privé, ils le mettent, mais au collège, et que ça coûte le prix du privé. Parce que quand est-ce que les gens se rencontrent ? S'apprivoisent, comme je vous ai dit tout à l'heure, et dédramatisent la différence. Quand est-ce ? Je vous dis, on a des gamins qui fantasment sur les juifs parce qu'ils n'en ont jamais vu de leur vie. Alors je dois leur dire, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des éboueurs en Israël ? Ils disent, bah oui. Ah, ça veut dire qu'il y a des éboueurs juifs, ça veut dire qu'ils ne contrôlent pas tous TF1, France 2, qu'ils ne sont pas tous multimilliardaires. Il y en a qui sont boulangers. Et rappelons-nous de notre lâcheté, de notre insuffisance de réaction avec Ilan Halimi. Ilan Halimi, c'est un mois de calvaire. Tout le quartier savait. C'est le concierge qui a fourni la clé du local où il a été torturé. Et pourquoi ? Ben parce que s'il est juif, il doit être riche. Et une sociologue de Paris 8 qui a une fac répugnante, Nasser Guinif, je crois, un truc comme ça, qui explique au procès de Georges Bensoussan que quand les jeunes maghrébins disent sale juif, en fait, c'est pas du tout antisémite, c'est une locution ordinaire. Ah bah oui, sale juif, sale PD, sale voilà. Pour mémoire, Georges Bensoussan a été traîné en procès parce qu'il avait écrit que les musulmans étaient antisémitisme, ou les larmères, hein, c'était ça, me semble, hein, c'était ça. Voilà. Ce que d'autres avaient dit, mais les autres qui l'avaient dit, voilà. Mais les autres étaient arabes, donc on leur a pas trop reproché. Voilà. Mais moi, dans la famille où j'ai grandi, j'ai jamais entendu dire de mal des juifs quand j'étais petite. Mais là, j'ai deux frères qui sont... qui sont très virulents parce qu'il y a le conflit avec la Palestine, parce qu'il y a les vidéos, parce qu'il y a une surconsommation de ces vidéos par les élèves. Voilà, il y a encore à ce niveau-là une large régression. Par contre, comme c'est culturel, regardez comme on est accommodant et ce qu'on est prêt à laisser passer. Que ce soit la subordination des femmes, comment on l'accepte quand ça vient d'une certaine communauté, que ce soit ce qu'ils disent des juifs, ou que ce soit de l'homophobie. On ne les inquiète pas, ces gens, mais parce que c'est culturel. Par contre, si c'était des blancs, alors là, on leur sauterait dessus. Et c'est cette hypocrisie qui consiste à dire que finalement, les cathos, on peut les vexer, parce que les cathos, ils croient pour de faux. Alors que les musulmans, ils croient pour de vrai. Faut les respecter. Puis on en arrive à des situations où il y a un type qui présidait ACT UP, qui est maintenant militant au CCIF. Un organisme qui ne combat pas l'islamophobie, qui essaye d'imposer l'islamisme en France. Alors je lui ai simplement écrit, mais si vous alliez faire un tour dans les pays où on pratique la charia juste pour voir comment ils traitent les homosexuels, bah lui, il a transformé ça en un billet de blog du Mediapart en disant que j'avais menacé de mort. Mais c'est quoi la cohérence ? C'est quoi la cohérence ? Et donc c'est cette hypocrisie culturaliste. Voilà, c'est quoi la culture ? La culture, est-ce que ça doit être figé, vitrifié ? Est-ce que ça ne doit pas évoluer naturellement ? C'est-à-dire, moi qui aime autant le bœuf bourguignon que le couscous. C'est une vraie question, ça, par rapport aux sociétés multiculturalistes. Que ce soit par rapport aux sociétés qui accueillent l'immigration, ou que ce soit, par exemple, aux Canadiens qui ont pas mal massacré les Inuits, qui leur ont pris leurs gosses et qui leur ont fait... Voilà. Est-ce qu'on essaie de maintenir à tout prix quelque chose qui risque de disparaître, ce qui peut être légitime ? Mais résultat, on enferme les gens en disant, voilà, il faut vraiment garder vos rites anciens. Y compris l'excision. C'est pour ça, c'est le premier chapitre de mon livre, que des intellectuels de gauche avaient signé un appel pour dépénaliser l'excision en France, en 89. Et l'argument, c'était qu'on serait singulièrement intolérant de vouloir imposer notre conception blanche occidentale à des Africains, alors que c'est pas une... l'excision ne mutile pas. Et Alain Caillé, sociologue, se piquait même de sexologie en disant que le plaisir féminin était un plaisir complexe, qu'ils appellent la psychologie, et que donc elle pouvait aucun problème dans la sexualité, même sans clitoris. Voilà, je crois qu'on appellerait ça du mindsplaining maintenant, mais à l'époque ça n'existait pas. Voilà cette hypocrisie où on va quand vous êtes dans... vous utilisez le joker culturaliste. Vous devez respecter, on doit respecter toutes les cultures, mais on a tout à fait le droit de rejeter une pratique culturelle quand elle est incompatible. Parce que sinon, vous dites qu'en fait, il ne faut jamais évoluer. Tout ce qu'on a obtenu les femmes en France, c'est au prix de combien de combats ? De combien de siècles, de décennies de combats ? Alors quand Edoui Plenel montre le tweet en disant « Ah, vous moquez du burkini, mais regardez comment les femmes étaient habillées en 1900. » Oui,
Mais en fait, il est en train de dire que les musulmans ont 200 ans de retard dans leur tête. C'est ça. C'est des arriérés. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'allochronie, c'est-à-dire on vit au même endroit, mais on ne vit pas dans la même temporalité. Donc eux, ils ont le droit d'être arriérés. Toutes les cultures doivent évoluer et toutes les cultures évoluent. Et donc, c'est ce que Fethi. J'ai ramené son livre, c'est un livre très court. Si vous avez l'occasion de le lire. Voilà. Un furieux désir de sacrifice, le sur-musulman. Voilà ce que les parents de ma génération sont en train de fabriquer, des sur-musulmans, c'est-à-dire des gens qui se sentent obligés d'être plus musulmans que le musulman moyen pour être un bon musulman. Voilà. Ben c'est ça quand on a face à soi des gens avec ce discours culturaliste, c'est-à-dire qu'ils en font plus que les gens dans leur pays d'origine. L'Algérie, en Algérie, ils les trouvent ridicules, mais non, ici, il faut être comme ça. Ils importent des tenues en disant « je veux être fidèle à mes origines », mais c'est des tenues d'Arabie Saoudite, alors qu'ils sont du Maghreb. Les tatouages berbères que les femmes portaient, maintenant, c'est des gamins de 12 ans qui me disent « c'est haram », donc ils font la leçon à leur mère, donc ils abolissent une tradition culturelle, mais alors c'est laquelle qui est la meilleure alors ? Celle qui est validée par des abrutis d'imams 2.0 qui disent qu'il faut boire de l'urine de chamelle, qui ont 25 ans. Qui donne le là ? Et le problème, c'est que si vous êtes simplement dans le discours du « c'est le plus extrémiste qui est le meilleur pratiquant », vous arrivez où ? Et c'est pas propre à l'islam. Hein. Dans certains quartiers de Jérusalem, il y a des trottoirs réservés aux femmes et des trottoirs réservés aux hommes. Et dans les bus, les femmes à l'arrière. Voilà où on en est. Elle ne porte pas de foulard, elle porte une perruque. Et les très orthodoxes se rasent la tête, les femmes. Ah, la chevelure, toujours. Voilà où est la situation. Je parle aussi de l'exemple des Sikhs au Canada. Voilà. Encore une fois, je ne parle pas de la religion, je m'en fiche. Les gens peuvent croire en ce qu'ils veulent. Moi, je suis de culture musulmane, ça ne me gêne pas. Mais on doit rester au discours politique et juridique. La loi s'impose à tous sur le territoire de la France. Ce n'est pas l'époque de Clovis, où il y avait la personnalité des lois, et puis selon votre origine, bah, on va vous appliquer la loi qui vous... de votre tribu. On en revient au tribalisme, en fait. L'exemple des Sikhs, il est à la fois tragique et tragicomique. Hein. C'est un jeune garçon qui a été autorisé à porter son poignard Sikh à l'école sous prétexte que... Il y a une dimension symbolique, culturelle, importante. Donc du coup, bah, le jeune garçon est autorisé à amener un poignard à l'école. Enfin, là, ils ont le droit de les emmener, donc c'est poignard traditionnel, dans les avions. Dans les avions. Mais alors que pas au Parlement canadien. Pas bête, les députés. Il faut toujours se protéger eux-mêmes. Il avait donc un poignard. Donc ça fait partie de la tradition sikh. En fait, c'est censé être un symbole de paix. Voilà. Et c'est un vrai poignard. Ils doivent même dormir avec. Tout comme on les autorise à garder leur turban, à ne pas porter de casque de moto. Exactement. Et pas de casque de chantier. Le Canada a un multiculturalisme, voilà. C'est très mignon, et tant pis pour la sécurité. Mais après tout, ceux qui choisissent, donc tant pis pour eux. Et cet élève avait un poignard sikh, et l'école lui a dit, ben non, on ne peut pas apporter d'armes au collège. Voilà. Et ils lui ont proposé un équivalent au bois, ou en plastique. L'élève a refusé, la Cour suprême lui a donné raison, avec cet argument, mais qui laisse songeur. L'argument, c'est, l'élève croit, sincèrement, que s'il a un poignard en bois ou en plastique, il ne respectera pas sa foi. Donc c'est parce qu'il y croit, sincèrement, que l'État doit... l'école a été condamnée. Et en plus, ils ajoutent, c'est le boulot de l'école d'apprendre aux enfants à être tolérants et accepter, donc, pour les autres, ce qu'eux n'ont pas le droit de faire. Mais dites-moi, pensez à l'Allemagne avec les crimes d'honneur. C'est pas quelque chose qui existe encore en France. Mais pensez aux crimes d'honneur. Vous imaginez la jurisprudence que ça fait ? Mais moi, je crois sincèrement que je dois tuer cette personne. Ça correspond sincèrement à ma foi. Bah, puisque j'y crois, on me laisse faire. C'est ça le souci, c'est que... je prends l'exemple des crèches de Noël. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouf, enfin une victoire sur l'islamisme. Enfin, on reconnaît le côté chrétien de la France. » Mais on est dans un état de droit. Ce qui est obtenu pour une religion profite aux autres mécaniquement. Macron, s'adressant aux évêques, c'est les imams qui visaient. Hein, faut pas vous leurrer. Faut pas vous leurrer. Et cet avis du Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les collectivités territoriales ont le droit d'installer une crèche de Noël avec le petit Jésus, si elle est artistique, folklorique, culturelle, mais pas si elle est religieuse. Ça veut dire que qu'est-ce que dit le Conseil d'État ? C'est qu'en fait, c'est pas l'objet qui est religieux en soi,
C'est l'intention qui est religieuse. Et c'est l'intention dont il faudra prouver au cas par cas, donc à la justice, si elle est religieuse ou pas. Mais dites-moi, l'Aïd, c'est religieux ou c'est culturel? Et puis la statue du pape, ils sont même pas cohérents avec eux-mêmes. La statue du pape, là, dans ce rond-point, ben, ça a été fait par un artiste, donc c'est artistique, donc on devrait la laisser. Ils ne sont même pas cohérents avec eux. Toujours le joker culturel. Et ça, c'est une vraie question. C'est quoi notre... Comment on considère la culture? Est-ce que ça doit être figé? Est-ce qu'elle ne doit pas être composite? Est-ce que c'est pas normal qu'on évolue? C'est la créolisation, et c'est naturel. Mais là, n'oubliez pas cette phrase, il faut combattre notre intégration. Et les indigénistes et les identitaires sont tout à fait d'accord. On ne doit pas changer d'âme. Restons chacun de notre côté du mur. Et ne nous mélangeons surtout pas. Et ne nous rencontrons pas. Et ne nous fréquentons pas. Vous vous rendez compte? On pourrait se mettre à s'apprécier. Et puis on pourrait être content de vivre en France. Vous imaginez, ce serait terrible. Merci Fatia. Est-ce que vous avez des questions? C'est à vous. Des questions, des commentaires, des remarques? Je vous en prie. Oui. Bon. Voilà. Je peux vous laisser le micro. Oui, oui, c'est super parce qu'on va mieux entendre, madame. Et moi, je tiens. Oui. Il y a quelque temps, nous avons assisté à une conférence par un ancien sénateur. Mes camarades vont me rappeler son nom parce que je l'ai déjà oublié. C'était à Saint-Étienne-de-Rouvray. Comment ça? Il les a pas marqués plus que vous. C'est pas Anissé Le Porce, voilà. Qui nous avait dit que sur une longue perspective historique, quand on remonte très loin, on allait vers la laïcisation. Or, vos propos laissent plutôt penser que vous êtes pessimiste et qu'on va, au contraire, vers une reconnaissance des religions. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, il y a un risque de guerre civile en France ». Moi, je leur dis non. Des fois, j'aurais presque envie. Je pense que les gens vont en avoir marre et qu'ils vont leur dire « Mais cédez et laissez-les faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne viennent pas le faire à nos enfants, tant qu'ils ne viennent pas le faire chez nous ». Voilà. Je suis pessimiste, mais ça ne m'empêche pas de me battre. Parce que déjà, c'est mon caractère, je le fais pour mes élèves, je le fais pour mes neveux et nièces, et que jamais je céderai. Bien sûr, je suis pessimiste. Vous avez vu le discours d'Emmanuel Macron? Vous l'avez vu à qui il s'est toujours adressé? Il n'arrête pas de recevoir les autorités religieuses. Aucune femme, d'ailleurs. Sinon, tiens, c'est bizarre. Et puis, il leur dit qu'il est là pour les protéger face au danger de la radicalisation, de la laïcité. Donc, bien sûr, je suis pessimiste, parce que vous avez les activistes, vous avez les médias. Les médias, c'est pas moi qui reçois le plus. Hein. Vous avez le Conseil d'État, qui installe tout doucement, parmi les conseillers d'État, et là il n'officie plus, il y a un type qui s'appelle Thierry Thuot, qui a fait un rapport répugnant, qu'il a remis à Jean-Marc Ayrault. Ce rapport s'appelle « Pour une grande nation inclusive ». Et dedans il dit « Oui, mais en fait les terroristes, c'est un peu comme la bande à Badère, hein. C'est juste voilà ». Et il dit « Dans la fabrique de la nation », je le cite, hein, ouvrez guillemets, « Dans la fabrique de la nation, l'État n'a en définitive rien à y faire. Tout dépendra des associations ». Voilà. Les conseillers d'État, comment ils veulent nous enfermer. Voilà ce qu'ils osent dire. Donc bien sûr, je suis pessimiste. Mais c'est pas une raison pour ne pas se battre. C'est pas une raison pour être, pour se laisser abattre, pour reprendre ce que disaient nos amis de Charlie Hebdo. Mais bien sûr. Parce que le sens du vent ne va pas vers nous. Aussi parce que je pense qu'on a un grand tort en France, c'est que l'État était très laïque avec lui, avec le culte de l'État. Et pas assez avec les religions. Et résultat, vous avez des gens qui pensent qu'on n'a de transcendance qu'avec la religion, et une forte religiosité. Vous avez des enfants d'immigrés à qui on n'a pas enseigné à aimer la France. Toute chose s'apprend si elle s'enseigne, mais on s'y interdit. Moi, j'ai un drapeau français dans ma classe. Oh, mon Dieu, ce que ça peut choquer. Ben, non, ça ne choque pas mes élèves, parce qu'ils s'y habituent, parce qu'ils le voient, et parce qu'ils verbalisent. Donc, on a tous ces éléments qui concourent à fracturer la société. Puis on a aussi l'ultralibéralisme, hein, que ça arrange. Hein, on a le multiculturalisme, on a le fait que finalement, les communautés, c'est très pratique pour les hommes politiques, ça fait des segments de marché, vous allez les voir, et puis vous adressez à un leader communautaire, et puis après vous pouvez être élu.
Gilles Kepel explique que pour Marseille, le maire de Marseille a logé dans un super appartement avec vue sur la mer un imam salafiste. Et en échange, l'imam salafiste lui a dit, de toute façon, je vais dire que voter, c'est haram. Et comme ça, tous les jeunes de ma communauté ne voteront pas. Donc vous voyez, le communautarisme, c'est pas de gauche ou de droite. Hein. Ça se partage très 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 bien. Et il y a certaines villes qui devraient être mises sous tutelle préfectorale, comme Sevran par exemple, comme Saint-Denis, comme toutes les villes où on a laissé faire ses leaders. Donc bien sûr, je suis pessimiste. Mais c'est de la lucidité, parce qu'on a beaucoup de choses contre nous. Mais la France a perdu quelques batailles, mais la France ne perd pas la guerre. Voilà. Et je défendrai toujours la République, parce que j'aime la République et j'aime la France. Et je pense que je ne suis pas la personne la plus extraordinaire et exceptionnelle du monde. Donc je pense que je suis représentative. Que je ne suis pas la seule personne en France à penser ce que je dis, avec mes origines, je veux dire. Voilà. Et que la majorité des gens sont comme moi, surtout des enfants d'immigrés. Mais ceux qu'on fait passer à la télé, ils ont un poids médiatique disproportionné par rapport à leur poids démographique. Mes résultats, vous les laissez prendre le pas sur la communauté. Être des leaders. Donc, oui, je suis pessimiste, mais ça change rien. Combative, comme vous. Voilà. D'autres questions ? Très intéressé par votre débat. Je vous remercie beaucoup. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir aussi, les parents qui ont baissé les bras, qui n'ont pas inculqué l'amour de la France, enfin, plein de choses comme ça sur l'éducation, tout simplement. Ces zones de non-droit qu'on a laissé faire pendant des années, enfin, tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que ça a été voulu ou est-ce qu'il ne fallait pas choquer ou... Enfin, tout ce qui se passe actuellement, je veux dire, quoi, c'est vraiment... inadmissible, quoi. Les prêcheurs de haine, les imams, puisqu'on attend pour les renvoyer, enfin plein de choses comme ça, quoi. Tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment, moi je trouve ça inadmissible. Alors, est-ce que c'est voulu, à votre avis, politiquement, ou qu'est-ce qui est cherché ? Alors d'abord, je vais vous dire un truc qui va vous choquer, qui va faire que vous allez moins m'aimer d'un coup. J'ai écrit une tribune dans Libération, et il y a des gens qui m'ont répondu, enfin vous montrez votre vrai visage islamiste. J'ai écrit une tribune dans Libération pour dire qu'on devait accueillir les enfants de Daesh et leurs mamans. Et que c'est pas parce que eux n'avaient pas respecté leur devoir de citoyens que ça a été nié, nous, nos devoirs, vis-à-vis d'eux. Et la responsabilité de la France consiste, c'est ça la République, à être meilleur que ce qu'on est, meilleur que ce que nos instincts nous dictent, meilleur que nos pulsions, c'est ça. Et les gens me disaient, mais au moins là-bas, il y a la peine de mort. Et je leur disais, mais vous rendez compte, vous êtes contre la peine de mort en France, mais vous l'êtes ailleurs. Mais là-bas, il y a la torture, ils vont enfin payer. Le contraire d'un État de droit, c'est pas un État fort. Hein. La France n'est pas un État faible parce que c'est une démocratie ou un État de droit. On a tout à fait le droit d'être radical. On a tout à fait... Il y a la liberté d'expression en France. Il y a des limites qui sont connues. Il y a la liberté d'opinion totale. Et il y a la liberté d'expression. Et il y a quelques cas où elle est limitée, qui sont connues. Calomnie, diffamation, incitation à la haine raciale... négationnisme de génocide, homophobie, antisémitisme, racisme, voilà. Autrement, on a la liberté de, la liberté religieuse. On a le droit d'être radical. Ouais. On a l'impression qu'on est faible en France. Ben moi, je préfère mon état de droit et la démocratie. Parce que le contraire d'un état faible, c'est pas un état fort. C'est une dictature. Je vais pas vanter les méthodes de Bachar al-Assad en disant « Ah, il va bien leur faire payer. » Il faut accepter de jouer le jeu. Alors, est-ce que c'est voulu? Je prends l'exemple du Mirail à Toulouse. Vous connaissez peut-être ce quartier. Au début, c'était fait pour accueillir les petits cadres de Airbus. Et au bout de quelques années, ils ont eu assez d'argent, ils se sont achetés une maison. Voilà. Et moi, j'étais aide ménagère pour financer mes études. Je faisais le ménage chez une vieille dame au centre-ville de Montbéliard. Elle n'avait pas de salle de bain. Hein. Donc quand ils sont arrivés, ben, c'est assez luxueux ces appartements. Hein. Il y avait une salle de bain. Mes parents, quand ils sont arrivés, les toilettes, c'était un trou au fond d'un jardin. Ils étaient dans un espèce de cloaque, voilà. Donc quand ils sont arrivés dans ces HLM, ils étaient super. Des sociologues ont dit qu'il fallait rassembler les gens pour que l'aide sociale soit plus efficace. Donc il y a eu aussi cette volonté des sociologues, pas par méchanceté, mais pour un côté pratique. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ascenseur social. Hein. Dès que vous avez l'argent, vous préférez vivre dans une maison que rester dans un bloc. Un HLM, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. C'est maintenant que c'est cassé, ce système. C'est cassé parce que, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais il y a des gens qui arbitrent
et qui se disent, bah, plutôt qu'être dans ce quartier-là, bah, je vais prendre un appartement plus petit, tant pis. Mais avec un collège meilleur et un meilleur quartier. Ben non, il y en a qui. Mais il faut leur faire conscientiser, verbaliser que c'est leur choix, c'est eux qui ont arbitré. C'est comme je dis à mes élèves, ils me disent, je rêve d'aller aux États-Unis. Mais je leur dis, mais si vous y allez en dehors des périodes scolaires, ça vous coûte aussi cher que d'aller au bled. Arrêtez d'aller au bled et puis allez voyager ailleurs. Mais non, aller-retour. Toulouse, le bled, Toulouse, le bled, Toulouse, le bled. Ça ne me gêne pas hein, qu'ils aillent au bled, hein, pas de souci. Mais qu'ils arrivent à assumer le fait qu'en fait, ils ont arbitré. Que ce n'est pas la société qui les coince dans cet appartement. Ils peuvent quitter les parcs HLM quand ils veulent. Donc il y a eu cette théorie des sociologues. Il y a eu le fait de devoir loger des familles nombreuses. Ah oui, vous voyez, j'ai 7 frères. Il y a eu l'opportunisme des hommes politiques. Quand vous avez des mairies qui ont 60% de logement social, ce n'est pas par générosité. Malek Bouti l'explique très bien. C'est qu'ils savent que la majorité des gens de ces catégories sociales-là ne votent pas. Donc vous avez 60% de gens garantis qui ne votent pas. Après, vous employez 1000 personnes à la municipalité, ça vous fait des liens avec 1000 familles. Leurs femmes votent pour vous. Vous êtes élu, réélu sans problème. Technique des maires communistes, hein, de la toute la couronne. Rouge, toute la ceinture, ah oui, toute la ceinture rouge. Quitte à mettre les pires islamistes, les grands frères, les caïds, leur donner des délégations. Notamment, il y en a un en droit des femmes. Et à l'égalité. Il ne conçoit les femmes que quand elles sont voilées, ce type-là. Oui, donc là, il y a eu du clientélisme, du pur électoralisme, aussi bien à droite qu'à gauche. Hein. Édouard Philippe, Gérard Collomb, n'en parlons pas, voilà, des maires de gauche et de droite. Ah. Regardez Benoît Hamon, il adore ça. Mais il ne vit pas avec eux. Non. Il était député de Trappes, mais il habite à Issy-les-Moulineaux. Bah, oui. Mais qu'il laisse ses petites jumelles aller à l'école un an à Trappes. Et on en reparle. Oui, ça, c'est... Mais non. Ça fait trop facile. Mais la différence avec les gens de gauche, c'est qu'eux, ils défendent le bien, le juste, le bon. Pas comme nous, les réacs, les méchants, voilà. Moi, je suis profondément de gauche. Et pour moi, être de gauche, c'est pour l'émancipation individuelle et collective. Au-delà du critère du culturalisme. Donc voilà, il y a eu de l'opportunisme. Il y a eu aussi des choix. Le choix de ne pas quitter ses appartements, parce que finalement, c'est assez confortable. Il y a les commerces ethniques, voilà, et puis c'est... Les appartements qu'ils ont laissé eux-mêmes se dégrader, c'est leurs enfants qui ont dégradé, hein. C'est pas des gens qui sont venus de l'autre bout de la ville pour dégrader. Donc il y a eu aussi la ville. Mais quand vous allez à Marseille, j'y ai vécu 6 ans et j'y ai travaillé 6 ans. Les logements les plus abîmés, ce sont les copropriétés privées. Marchands de sommeil, les syndics sont ruinés. Voilà, c'est une catastrophe. Les HLM sont super bien entretenus. Et vous en avez dans les quartiers sud avec vue sur la mer, hein, y a pas de souci. Voilà. Moi, encore une fois, je suis républicaine. Donc je pose toujours la question de la responsabilité individuelle et de la liberté. Ça ne m'empêche pas de penser les choses, d'avoir une pensée complexe en me disant « Ouais, des fois, il y a des difficultés. » Voilà. Mais là, je peux vous dire, il y a des aides. Il y a des gens qui se battent. Pour... Et puis, il y a ça. Mais voilà. Commencez déjà par vous dire « Qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et pas simplement « Je suis là. » J'ai les services, j'exige, j'exige, j'exige. Parce que les gens ont développé une ingénierie sociale pour obtenir des choses, mais ils ne se posent jamais la question des droits. Alors, les parents. Bah oui, je suis prof, je préfère accuser les parents, et puis vous accuserez les profs. Mais ce n'est pas mon métier d'enseigner la base aux enfants. Il y a des enfants qui... Il y a des parents qui pensent qu'en couvrant leurs gamins de cadeaux, ils font leur boulot. Ah non. Bah non. Mais c'est tellement plus simple, je peux comprendre, vous sortez d'une journée de boulot, c'est tellement plus simple de filer une tablette à un gamin tous les soirs plutôt que passer du temps avec, parce qu'ils sont chiants quand même ces gamins. Ah ouais, voilà, c'est responsabilité des parents. Quand je dis qu'il faut faire aimer la France, moi j'ai tous les photos dans ma salle des présidents depuis Louis-Napoléon Bonaparte, et j'ai même Pétain. Et j'ai des collègues à Marseille mal intentionnés qui m'avaient dit que ça prouvait que j'étais antisémite. Moi j'ai mis Pétain parce que Pétain a été élu. Et je veux rappeler aux élèves que quand on dit qu'on assume notre héritage, on s'inscrit dans une filiation, on prend le bon et le mauvais. Et on assume le mauvais, et ça nous sert d'avertissement en nous disant « Ben voilà ce qui peut se passer quand je fais pas bien mon boulot de citoyen. Voilà ce qui peut se passer quand je vote mal. Je suis pas là pour j'efface la colonisation, j'efface tout ce que la France a fait de mal. Non. Moi, je m'en tiens aux propos de Mark Twain. Le patriotisme, c'est soutenir son pays tout le temps, en toutes circonstances, et son gouvernement seulement quand il a raison. Voilà. Donc ça commence avec les parents, ça commence avec des rituels, aller au feu d'artifice du 14 juillet. Ça commence par dire... Je me souviendrai toujours de cette scène. Alors c'est une scène intime.
J'étais chez moi, et puis il y avait ma mère qui a ouvert une lettre, puis elle s'est arrêtée, puis elle l'a serrée contre son cœur, et puis elle a dit, oh, mon Dieu, mais que Dieu bénisse ce pays. Ah, ces salopards qui disent du mal de ce pays, mais qu'ils aillent en enfer et tout. Et en fait, elle a reçu une lettre de la CAF, d'un truc qu'elle n'avait pas demandé, où on lui disait que ma mère touche le minimum vieillesse en ayant travaillé 14 ans. Hein, et ses copines se moquent d'elle en disant, nous, on a fait plus de gosses que toi, et on touche la même somme sans jamais avoir travaillé. Et c'était la Sécu qui lui disait qu'elle allait avoir une aide, qu'elle n'avait pas sollicitée, pour aider à payer sa mutuelle. Et vous voyez, ce système-là, qui est écrit dans notre Constitution, les quatre principes de la République française, selon la Constitution de 58, c'est laïque, indivisible, démocratique et sociale. La solidarité est organisée par l'État. C'est pas de la charité. Contrairement au revenu universel de Hamon, blablabla, et Boutin. C'est pas de la charité. Ma mère l'avait pas demandé. C'était pas de la charité. C'est l'État qui prend soin de sa population et qui organise la solidarité nationale. Voilà. Mais juste ce genre de reconnaissance simple. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Hein. Très, très émouvant. Mais communiquer ça aux enfants. Puis leur dire voilà. Et puis leur dire la vérité sur les pays des vacances. Que ça se passe pas comme ça, que c'est difficile là-bas. Quand vous avez le cancer du sein. Hein. On a parlé récemment des hommes qui rejettent leurs femmes en Algérie. Les soins, les prothèses. Voilà combien d'immigrés ramènent des médicaments en même temps que des cadeaux quand ils vont au bled. La liberté, moi je le dis souvent à mes élèves. Je leur dis, vous êtes insolents. Votre insolence prouve que vous êtes français. Parce que votre grande bouche, là, vous êtes insolent avec les mots de la France. Jamais vous permettriez de parler comme ça en Algérie. Vous êtes insolent, voilà, parce que vous avez déjà, c'est déjà en vous. Mais voyez, c'est comme la psychanalyse. Il faut faire verbaliser les choses. Et vous dédramatiser. Et vous enlever ce chantage. Parce qu'on les soumet à un chantage. Et après, ils le disent. Hein. La seule ville où il n'y a pas ce problème, c'est Marseille. Parce que Marseille... Déjà, la Marseillaise s'appelle la Marseillaise, donc pour eux, ils sont fiers, donc pas de souci, ils la chantent tous sans problème. Et c'est une identité collective tellement forte que les gens se disent pas « je suis algérien, tunisien, marocain », ils disent « je suis marseillais ». C'est un pays, c'est une nationalité, c'est une civilisation, c'est une culture, c'est un univers. Voilà. Mais ailleurs, oui. Donc, bien sûr, la première responsabilité, c'est les parents, parce que c'est quand même avec eux qu'ils passent le plus de temps. C'est eux qui vont leur transmettre, c'est eux qui doivent leur transmettre des valeurs. Et c'est à eux de réfléchir à l'impact... de l'éducation religieuse, du cylindrage religieux qu'ils font. Quand vous voilez des petites filles, ben oui, la petite fille, elle va être toute fière, puisqu'elle va voir que vous êtes fière. C'est comme la petite fille, c'est genré, qui est toute fière quand vous la félicitez avec son petit ruban d'être sage. Alors que le garçon, vous allez dire, oh, petit gaillard, petit coquinou, hein, petite fripouille. Voilà, les enfants veulent faire plaisir à leur enfant. Mesurez la portée de ce que vous leur dites. Parce que eux, ils sont dans le premier degré. Donc on est en train de fabriquer une petite armée, ou de gens, des territoires consulaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se sentir français. Mais comment ils peuvent être heureux s'ils ne se sentent pas français, alors que leurs parents sont nés en France, parlent parfaitement français, et que là, on parle de grands-parents. Eux, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la guerre d'Algérie, hein? Rien du tout. Et ils n'y connaissent rien, je peux vous le dire, je suis prof d'histoire, quand je leur fais, ils n'y connaissent strictement rien. Donc oui, voilà, donc je ne suis pas dans le complotisme et tout, l'analyse complexe, lâcheté des élus, idéologie des travailleurs sociaux, voilà. Je peux vous dire aussi, moi je suis juge assesseur au tribunal pour enfants, en plus d'être enseignante. Et l'autre fois, il n'y avait que des femmes au tribunal. Il n'y a pratiquement que des femmes. Et c'était un jeune qui était jugé pour avoir obligé une fille à... Bon, il y a des enfants. À accomplir un acte bucco-génital, comme ça ils ne comprendront pas, les gamins dans la bibliothèque. Il lui avait pris son portable. Et en termes d'échelle de valeur, ça vaut le coup de faire ça pour récupérer son portable. Et le garçon dit, devant un tribunal où il n'y a que des femmes, hein, il dit, de toute façon, je n'aurais jamais fait ça avec elle, parce que de toute façon, c'est une prostituée. Bon, il a dit le mot en quatre lettres, lui. Oui, et la mère et la fille nous disent, non, c'est pas vrai, la preuve, on a un certificat de virginité. Alors, la fureur, hein, j'étais dans un état de fureur. Après, une dame m'a expliqué que les gynécologues... On part de loin, là, quand même. C'est passé l'année dernière, vous voyez, ça part de loin. Voilà, et une amie du domaine médical m'a expliqué qu'en fait, les gynécologues faisaient ça sans vérifier, en fait. Elles ne pratiquaient pas l'acte. C'était juste pour sauver la mise aux filles. Donc elles se faisaient payer. Certains se font payer plusieurs dizaines d'euros pour faire cet acte. Donc là, ce n'est pas très bienveillant. Mais elles ne pratiquent pas, elles ne vérifient pas. C'est juste parce qu'elles savent que ça peut mettre en danger la fille. Voilà. Donc la mère était toute fière de dire, voilà, certificat de virginité, comme si nous, on allait le prendre en considération pour apprécier l'acte.
Et le garçon, qu'est-ce qu'il répond? Il ne se décontenance pas, il dit « C'est avec sa bouche qu'elle fait les choses, pas avec en main. » Vous voyez où on sent les choses, l'éducation, là, la différence garçon-fille. Nous, quand on enseigne ça aux enfants, c'est un savoir scolaire. Ils répondent ce qu'on a envie d'entendre. Mais c'est comment le père traite la mère qui va servir le plus de modèle d'éducation. C'est comment les parents traitent la fille ou le garçon qui va servir le plus d'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre? Parce qu'on nous met tout sur le dos, on doit tout faire, lutter contre le complot, blablabla. Mais commencez d'abord par faire votre métier de parent et de considérer que parent, c'est pas simplement un acte biologique. Je fais un gosse parce que je peux le faire. Non, c'est un métier. Et les profs l'ont bien compris. Hein. Les profs, quand ils ont un gosse, c'est un projet professionnel. Hein. Activité sportive, activité culturelle, activité artistique, blablabla. Et c'est pour ça que c'est l'élite. Voilà, ben voilà, c'est un projet culturel. Et je fais un projet radio avec mes sixièmes, et on faisait un sondage en disant « Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ?» Ils ont tous dit Skyrock, sauf un élève qui a dit France Culture et FIP. Même moi, j'écoute pas FIP. J'appelle ça radio suicide, je peux pas la supporter, cette radio. Alors je l'avais à la tête et je le regarde, et c'est Maher. Petit Maher, charmant Maher. Et ses parents sont maghrébins. Mais ses parents sont surtout instits. Vous voyez, c'est pas la lecture, c'est pas le critère ethnique qui compte. C'est le critère social. Et quand on est de gauche, vous vous rendez compte, voilà, c'est le critère social qui compte toujours. Voilà, le déclin. Donc voilà, il est fils d'instit, il a le capital culturel, il a d'ailleurs plus de vocabulaire, et quand il s'habille, il est jamais en survêt, sauf pour faire sport, il a des pantalons rouges, jaunes, voilà, ça se voit dans toute sa façon de se tenir. Voilà, c'est ce critère-là qui compte. Alors que ceux dont je parle dans le bouquin, qui ont écrit un bouquin répugnant qui s'appelle « Fatima, moins bien noté que Marianne », et qui disent que la laïcité, c'est une entreprise de colonisation des indigènes, voilà, et qui disent que voilà, le sentiment, l'identité, c'est lié à l'ethnicité. Et si je vous dis quel est l'odieux malotru qui a osé compter et recenser des prénoms maghrébins dans des écoles, vous me répondez qui? Ménard, quel salaud, Ménard a fait ça. Ben non, le sociologue François Durper, pardon, l'historien américain, spécialiste des États-Unis, François Durper, et la sociologue Béatrice Mabilon-Beaufils qui l'ont fait. En disant, nous avons compté les prénoms musulmans. C'est quoi un prénom musulman? Je vois pas la différence. Donc vous voyez, c'est eux qui parlent d'ethnicité. C'est eux qui n'ont que le racisme à la bouche. C'est eux qui disent que les profs sont structurellement racistes en se basant sur un sondage auquel moi-même j'ai répondu. Il y a eu 200 réponses. Donc d'après 200 réponses, ils en déduisent que 80% des profs pensent que... voilà. Et c'est eux qui se permettent de faire des choses parce qu'ils sont de gauche, ils ont le droit. Mais quand c'est Ménard, c'est mal. Voilà. Et voilà, on est dans cette régression toujours ethnique. Genre, voilà, donc désolé, je me répète. Voilà, très belle. Bon, pardon, j'ai été bavarde. Monsieur, ça sera la dernière question, on arrêtera après. Il y avait une petite, là aussi, il y avait encore une monsieur. Petite, bon, alors après, alors le monsieur après. Merci. Alors, le monsieur après. Et merci pour votre engagement. J'ai du mal à suivre sur Pétain quand même, et l'État français, et surtout les lois anti-laïques qu'il a prises, dont celle de l'arrêt des écoles normales d'instituteurs. Mais ma remarque, c'était quand même que la République était bonne fille avec les ennemis de la mixité sociale, que sont les défenseurs des écoles privées à 95% confessionnelles et très majoritairement catholiques, puisqu'elle va jusqu'à leur octroyer quand même 12 milliards d'euros par an, c'est-à-dire deux fois le budget de l'écologie et une fois et demi celui de la justice pour le paiement de ces 130 000 enseignants, alors qu'on sait très bien que, d'après les chiffres même du ministère de l'Éducation nationale, vous avez déjà abordé ce thème, deux fois plus de familles issus de catégories socio-professionnelles très favorisées, c'est-à-dire 40%, fréquentent ces écoles privées. Donc les enfants de nos ministres, si attachés à l'école publique et à la laïcité. Bien sûr. Et donc là, il y a un véritable sujet quand on nous parle de mixité sociale, de vivre ensemble, et quand on voit que le discours et l'affichage ne s'accordent pas aux actes, ce qui fait perdre crédit à des principes. C'est un peu la même chose...
nous pensons, nous, au comité de réflexion et d'action laïque, que combat laïque et combat social ont partie liée. Et on constate historiquement que quand il y a des conquêtes sociales, dans le même temps, ou inversement, il y a des conquêtes laïques. Et malheureusement, c'est parfois vrai pour les régressions, et je crains qu'on soit dans cette période de régression, où on a vu effectivement Macron, notre président chez les évêques, et où on a vu, et là ça n'a pas été relevé par les commentateurs, les médias, la généralisation de la scolarisation, plus exactement de l'obligation scolaire à 3 ans en maternelle. En fait, c'était pas ça le sujet, puisque presque 97,6% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés en maternelle. Le vrai sujet, c'est que devenant obligatoire, l'école maternelle privée est subventionnable selon la loi Debré. Et ça, c'est ça le sujet qui n'a pas été abordé. Donc je voulais avoir vos sentiments sur ces questions. Mixité sociale, système scolaire, lien combat social et combat laïque, en rappelant cette phrase de Jean Jaurès qui disait que lui, un des artisans de la loi 1905 sur laquelle est en train de s'asseoir Macron, l'unité dans la lutte sociale intègre la séparation du politique et du religieux. Alors d'abord, effectivement, je ne suis pas fan de Pétain. J'ai dit que j'avais mis tous les présidents, et dans le système de la Troisième République, le président est désigné par l'Assemblée. Il a été désigné par l'Assemblée. Avec ça. Voilà. Donc j'ai mis Mac Mahon, j'ai mis Deschanel, ben je mets Pétain, et comme ça, ça permet de voir aux élèves qu'on a une responsabilité en tant que citoyen et que les pires choses peuvent arriver. Sur le privé, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très attaché au public, mais jamais je ne reprocherai à des parents quand ils sont dans des quartiers ghettoisés ou difficiles. Jamais je ne leur reprocherai de mettre leur gosse dans le privé. Parce que c'est pas à vos enfants de subir ou de défendre vos convictions politiques. Jamais. Et les plus gros hypocrites de la FCPE ou d'autres associations plutôt de gauche ne sont pas les derniers à mettre leurs gosses à l'école alsacienne. Ou Marlène Schiappa, qui écrit un bouquin sur la laïcité, ses gosses sont aussi dans l'école catholique. Hein, pour une fille dont le père dirige la Libre Pensée, et pareil pour Najat Vallaud-Belkacem, privé catholique. Mais je ne reprocherai pas aux parents de vouloir le meilleur pour leurs enfants. Par contre, j'aimerais qu'ils payent le prix du privé. Parce que nous, on a perdu la classe moyenne. Et dans certains établissements, vous pouvez scolariser vos enfants dans le privé pour 60 ou 70 euros par mois, ou même 40. Donc résultat, on perd même les gens plus pauvres, qui agissent dans l'intérêt de leur enfant. C'est donc qu'on est en train, et c'est dans l'intérêt de l'OCDE et puis de l'éducation nationale, c'est que l'école publique s'atrophie sur les populations les plus captives, les moins mobiles, donc celles qui cumulent le plus de difficultés sociales. Qui viennent de l'étranger, qui sont au chômage, des choses comme ça. Et le reste, ils délèguent au privé. Et vous avez oublié de dire que les collectivités territoriales sont chargées d'entretenir les bâtiments maintenant. Voilà. Ah, et même pire, en décembre, Édouard Philippe a signé un décret. Il y avait 20 millions qui devaient être dispensés aux lycées et aux universités et aux collèges. 10 millions au privé, 10 millions pour le reste. Voilà. Un petit décret comme ça, passé inaperçu. Bien sûr que c'est lié. Mais je ne veux pas me tromper hein, en disant, faire croire que le combat de la laïcité, c'est un combat de gauche. C'est un combat universel, autant à gauche qu'à droite. Et moi, je ne suis pas dans ce simplisme qui consiste à dire « Ah, les gens de droite sont méchants, et les gens de gauche sont gentils. » Il y a eu autant de trahisons, sinon plus à gauche qu'à droite. Et récemment, c'est la gauche qui a trahi le plus. Voilà. Et Simone Veil, elle était de droite, mais elle a fait plus de bien pour les femmes que beaucoup de gauchistes de nos jours, femmes, féministes et tout ça. Donc quand vous dites combat social, on s'entend bien, c'est le progrès social, et c'est pas la gauche, et c'est pas un combat de gauche, et c'est pas simplement réservé à la gauche. Et je vous le dis d'autant plus tranquillement que je milite dans un parti politique de gauche depuis que j'ai 18 ans, voilà. Mais je suis pas dans ce manichéisme-là. Il y a toujours cette notion de progrès. De progrès. Progrès social, progrès politique, d'émancipation collective et individuelle. Donc oui, il y a certains quartiers où il faut fermer les écoles. Quand c'est des collèges de pied de quand il y a le SNESCO donc, qui répertoriait 100 collèges ghetto-ethniques, il faut les fermer. Vous mettez des bus à disposition. Et là, la mixité fonctionne si elle est contrôlée.
et je ne vais pas avoir peur de dire les mots, il faut contrôler la mixité ethnique et sociale. Et quand je dis qu'il faut la contrôler, c'est pas il faut 50% de blancs et 50% de gens de couleur. Il faut 70% de blancs et 30% de couleur. Il faut pas 50% de pauvres et 50% de plus riches. Il faut 70% de classe moyenne et 30% de classe CSP défavorisée. Dans mon collège, c'est 96% des élèves qui sont issus de CSP défavorisés. On est le quatrième collège pour ça dans le département de la Haute-Garonne. Ça se contrôle. Mais pour ça se contrôle, il va falloir oser dire les choses. Et pas glorifier la pauvreté ou je sais pas quoi, ou ça comme ça. Ça se contrôle, et pour que ça soit profitable aux enfants, il faut qu'ils soient en minorité. Et moi, je vous le dis facilement, parce que mon collège, j'ai vu la mixité s'inverser complètement en 7 ans. Et bien, quand ils étaient en minorité, eux-mêmes étaient soulagés de ne plus avoir à jouer le rôle du petit caïd. Ils délaissaient ça à l'entrée du collège, ils se mélangeaient. À partir du moment où ils étaient avec plus de leurs copains de leur quartier, ben c'est la logique du quartier, les solidarités du quartier, la sociabilité du quartier qui s'impose dans la cour, et ils se mélangent moins. Voilà. Donc oui, c'est lié, mais ce n'est pas qu'un combat de gauche, et la gauche a fait énormément de mal dans ce domaine-là. Une certaine gauche institutionnelle, et il est gauchiste, oui, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas la, ce qu'on appelle, pour moi, la vraie gauche. Oui, j'ai 15 000 questions, mais je vais en choisir une. C'est assez personnel. Vous faites preuve d'un grand esprit de tolérance. Vous dites des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Je fais un esprit de tolérance, moi ? C'est la première fois qu'on me le dit. Hein. Il me semble, oui. Et d'où ça vient ? C'est par vos propres lectures, votre propre expérience, ou une partie vient de votre éducation, de votre famille, de vos parents ? Et auquel cas, si ça vient de vos parents, est-ce que, par exemple, vous dites que vous avez 7 frères, est-ce que vos frères ont un petit peu le même genre d'idées que vous ? Mon frère s'est vanté d'avoir donné de l'argent au CCIF. Voilà. Alors je lui dis, ben, moi je voulais te donner de l'argent pour ton mariage, je vais l'envoyer au CCIF, qu'est-ce que tu préfères ? Il a préféré garder l'argent cette fois-ci quand même. Hein. Merci pour cette question. J'avais été interrogé à 18 ans par un sociologue assez connu qui s'appelle Stéphane Beau. Et il n'avait pas retenu mon témoignage après qu'on avait parlé 2 heures. Et j'avais été vexé. Et je lui avais répondu, vous n'avez pas retenu mon témoignage parce qu'il ne collait pas avec ce que vous vouliez dire. Ça ne collait pas avec votre misérabilité. Ça ne collait pas avec ça. Puis 10 ans après, on s'est retrouvés par mail et puis il s'est senti coupable et tout. On n'arrête pas d'échanger et tout ça. Voilà. J'ai toujours été obsédé par la responsabilité individuelle. Je n'accepte que les gens soient libres que parce que c'est la condition sine qua non pour laquelle je peux leur demander d'être responsable de ce qu'ils ont. Alors, j'ai eu un grand malheur qui a été en même temps une grande chance, je pense, dans ma famille, c'est que j'ai grandi sans mon père. Et c'est aussi pour ça que j'ai très vite vu que j'étais féministe. Mon père nous avait emmenés en Algérie, il nous a pris nos papiers, il nous a laissés à la rue là-bas. Il s'est acheté une deuxième femme. Il en a sa 7e. Ma mère, elle, n'a jamais eu le droit de se remarier, vous voyez ? Mais lui, elle est 3 fois la Mecque, donc il est 3 fois saint. Mais le père, c'est lui qui est garant de l'orthodoxie religieuse. Donc comme on a grandi sans père, aucun de mes frères n'avait l'autorité d'imposer seul. Donc c'était des bagarres, hein, pour décider, voilà. Donc ça m'a laissé une certaine liberté, et j'ai pu partir, par exemple, faire mes études. J'ai fait une prépa littéraire, un peu par hasard. Et mes frères pensaient que je faisais un BTS, vu que j'étais au lycée après le bac. Ils n'avaient pas Hippoca, Nica, ils ne connaissaient pas. Donc je vais vous dire, le hasard des rencontres, le fait de ne pas avoir eu de père, donc d'être habitué à débattre, à se battre, des choses comme ça, des profs formidables. Voilà, quand j'ai reçu ma liste en prépa, j'avais 150 livres à lire, il n'y avait aucun livre chez moi. J'ai une prof de français qui est venue au pas de mon immeuble et qui m'a apporté dans un carton les 150 livres. Ma prof de maths m'avait proposé de m'emmener passer tous les Sciences Po, je détestais les maths en plus, hein, en terminale. Alors ce qui est drôle, c'est que son mari était huissier de justice et qu'il avait menacé de faire 2 saisies chez moi. Gosse de mes frères. Vous voyez comme le monde est petit. Et elle vient de me réécrire là, il y a 2 semaines, cette prof. Parce que j'ai parlé d'elle à la télé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Bah, il y a une part d'héritage, il y a une part de décision, il y a une part de réaction, il y a une part de réflexion sur les lectures que vous avez faites, les fréquentations. Qu'est-ce qui fait qu'on est des personnes plutôt que des clones ou des morceaux sécables d'une communauté interchangeable ? Vous voyez, Gide qui disait qu'il faut faire de soi un être irremplaçable. Voilà. Et on passe. Bah,
Voilà, c'est comme vous, vos rencontres, vos, le hasard, la réflexion. Moi, je suis militante chevènementiste. Donc, j'ai toujours aimé la France. Et oui, je vais vous choquer, je suis même souverainiste. Vous ne choquez pas du tout. Voilà, j'ai toujours aimé la France, mais naturellement. Et j'ai aussi deux frères qui ont voté Front National. Parce qu'ils n'aiment pas les blédards. Eux, ils sont tellement intégrés, ils se sentent tellement français qu'ils ont voté. C'est surtout que j'ai un frère qui a fait une association et c'est grâce à lui que le maire de gauche a été élu pour la première fois. Et quand le maire de gauche a été élu dans ma ville, il a mis en place le même système de clientélisme et ça l'a écœuré. Bah, il a dit, bah voilà, ni droite ni gauche, je vous envoie tous au diable. Donc, voilà, les choses sont plus compliquées que ça, vous avez vu ? Voilà, tout le spectre. Donc voilà, c'est comme vous. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes vous ? Et à partir d'un moment, il faut que la plus grosse partie de vous soit le produit de vos choix. Et pas de... Même pas de votre éducation, même pas de votre milieu social, même pas de, voilà, de choix. Vous êtes construit, je vais pas vous citer ni « deviens ce que tu es ». C'est voilà, on choisit qui on est, on a la liberté, on a des... On a façon de faire, puis vous voyez, moi, pendant 6 ans que j'étais à Marseille, j'ai arrêté de militer, parce que là-bas, les gens sont pourris jusqu'à la moelle, vous pouvez pas avoir une discussion politique avec eux. Ils vous disent « qu'est-ce que ça me rapporte ?» C'est ça le produit du clientélisme. Hein. C'est que les gens se donnent au plus offrant. Hein. Il n'y a pas de gens de gauche ou de droite à Marseille. C'est qui reçoit le plus. Et puis j'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans. Et puis voilà, j'ai fait ce livre. Et puis sans piston, parce que je suis personne, j'ai appris samedi dernier qu'il s'était vendu à 8000 exemplaires, alors que l'éditeur pensait en vendre que 1000. J'ai eu la chance de l'envoyer à Elisabeth Banater, qui l'a apprécié. Qui m'a fait venir dans une émission, voilà, il y a des rencontres, mais il y a surtout des choix. Vous faites des choix, des convictions. Voilà. Mais comme chacun d'entre vous. Hein. Merci. Merci on a débordé d'une heure, hein, voilà, donc c'était bien, on a fait 2 heures aujourd'hui. Merci beaucoup, Fatia, c'était super, vraiment un très très grand merci. Et je vous engage à acheter l'ouvrage de Fatia qui se trouve juste vous n'êtes là. Pas obligé. Voilà, non, c'est pas obligé, mais c'est mieux. Vous n'achetez pas, voilà. C'est la preuve que vous êtes raciste. Voilà, c'est ça. Encore merci. Ça sert. Voilà. Exactement. Normal, vous êtes blanc et vous êtes un homme.